Bonjour, un gros bonsoir. Dépendamment d'un moment, côté que vous faites choix pour tant d'émissions, ça en a l'air. Du devoir, le divin qui est en moi, les alliés, divinité qui n'en oua, nous divins net. Et ceci, divinité nous inviolable. Nous saluer éléments qui symbolisaient la vie, l'air, terre, l'eau, hein, feu. Hein. Haïti réveillé, observé au centre en termes de représentation des humains. Nous au centre. Nous comptons comme du devoir pour nous retrouver où, chaque fois, maman nature hein, fait grâce à. Nous estimer il est de bon ton pour nous retrouver ou pour nous alimenter chopao là parce que ou mérite-t-il déjà suite à mes observations moi estimé fan émission Haïti réveillé yo sincèrement de cœur m'a dit nous que moi même nous de cœur sincèrement et tout le monde qui gagne vie doit suivre modèle ça. Et encore c'est intelligence haïtienne qui ca permettre nous doter nous de une émission qui sortit de l'ordinaire avec toutes caractéristiques li. Souvent tout li yon chaud. Mais nous porter accent principal à une émission. C'est pas de voir c'est moun cap vivre dans espace dans environnement yo c'est nous qui gagne pour bail goût à la vie c'est nous qui gagne pour façonner vie que nous voulons de toute façon l'autre l'affaire après 7 jours reposés malheureusement il tout dominait par rapport à nous en Haïti sommeil tout pour t'aller nous devons réveiller nous c'est pourquoi nous doter nos émissions du genre pour qui permettent nous comprendre différentes facettes dans blocage que nous vivons et qui ici nous capable battre nous comment nous arriver et nous obliger joindre ici parce que pas gagner rien qui statique tout est dynamique de ce fait l'important du fait que nous animer nous de volonté manifeste ça en pile haïtien k'ap cherché retrouver yo et k'ap cherché yo à travers lien culturel yo et pourquoi pas qui même sans gestation k'ap constituer des groupes de communauté c'est déjà intéressant et n'ap encourager nous constituer nous en communauté organiser nous en termes d'économie de survivance permettre que dans zone que nous y dans espace que nous vivons, nous ca développer des activités même pour qui permettent nous survivre par rapport à RSA qui gagne en pile trouble. De toute façon, c'est intéressant pour nous retrouver. Non souci pour nous alimenter chopor là. Nous jodi an nous pas gain privilège avec un monde déjà nous qui familier à nous c'est docteur Charles Bouchou qui pourrait aujourd'hui permettre ensemble avec nous d'abord garder qui héritage économique Haïti en termes d'héritage en termes donc ensemble d'héritage qui était sous dos nous tant coup fort souvent en termes d'héritage Haïti comme nous tout connaît toujours gon paquet de cob yo di yo prêté nous pas jamais moi yon goud à cob sa yo et nèg yo gon forme d'organisation depuis en l'air yo trou point cob yo cependant ces populations hein, yo continue à sanctionner et nous toujours gagner en termes d'héritage on service de la dette pour n'a payer ça veut dire nous pas jamais qu'arriver gon économie planifiée nous pas jamais capable parce que comme pour nous ta souvent servi en termes de richesse nationale yo c'est yo même nous a payer comme Haïti pas jamais té ouais yon good genre que en termes d'héritage
nèg vann terre d'Haïti. En pile gros pays, nèg qui dit gros nèg, en gros poignette, y acheté terre et déjà qui en porte à faux avec constitution pays. Et ensuite, n'a redit yo de tout temps. La terre li appartenu à peuple qui travaille li, à moun qui travaille li et à Dieu. De toute façon, y acheté toute terre yo avec qui projection. C'est peut-être encore une fois nan, tout au long de l'émission ça nous pral discuter sous ensemble héritage qui pesait lourd sur nous et qui ensemble facteur qui réellement inquiétant dans blocage nous-mêmes qu'est-ce que soit gens n'a parlé si nous pas tenu compte de facteurs sociaux économiques nous estimer nous qu'a fait faux pas l'importance pour nous comprendre facteurs économiques comment Haïti lui-même qui nous gon économie chaque jour nous est qui normal ou pas besoin gagner pièce éducation en matière d'économique pour capable Haïti bloqué li bloqué sauf que concept là li un petit peu mal utilisé parce que nous a retrogradé chaque jour ça veut dire pas bloqué même si nous en chute libre plutôt Haïti son économie en société qui nous en chute libre ça veut dire faut nous davantage moun ki gen micro qui gen espace d'éducation toute forme faudrait que nous rivé trouver meilleure formule et des émissions qui répondent à aspiration moun qui ka permettre nous construire un meilleur masse critique pour nous capable approcher tant ça et nous doit identifier les éléments du blocage sous toute forme qui érigé sous route nous de toute façon c'est sujet ça dans quelques 8 minutes le temps n'a pas gagné pour nous échanger avec invité nous qui c'est Charles Bouchou qui estimé ligue de grande importance surtout et un pile fan sous demande tout un pile fan d'émission ça par rapport à une présentation assez riche que monsieur te fait la fois dernière qui estimé les deux bon temps pour nous réinviter et surtout pour nous ca aussi bien poser problématique Haïti en termes conjoncturel ça n'a vivio conjoncture et aussi bien en termes d'héritage culturel économique qui servit de blocage en ce sens nous mandé chaque monde comprendre un jeu à deux tailles Haïti qui te gagne un PIB un produit intérieur brut tout au long des années 1980 par rapport à l'état République dominicaine produit intérieur brut yo te relativement légal jodi a Haïti à peine pas même qu'arrivé à 1 ou 2% en termes de produit intérieur brut. Nous ka comprendre des gars en jeu ya. Qui retrouve le parce que il produit l'a utilisé yo, c'est ailleurs pour y acheter et Haïti pas gagne rien en termes d'exportation pour rentrer devise. Ça veut dire nous ta doué dit en termes de suppli pour nous vendre pour nous compenser finance nous pour nous parce que pas capable parler société sous pas poser problématique finance li de cette manière Haïti pas gain rien li ca exporter presque relativement à quelques exemples près relativement mango francique et pourquoi pas le dire mango francique gomon de saline de planté pour nous hein? Depuis ce temps nous pas jamais rivé compenser économie nous pas des choses d'autres pour nous t'arriver rentrer comme en un pays ya devise en un pays ya parce qu'on pas cap parler développement société sous pas tenir compte de aspect économique yo et bien ensemble possibilité pour nous exporter yo nèg yo craser et qui même rentrer tout dans même plan économie néolibéral
qui consistait à craser tout ça ou même comme petit pays la caillou côté que travail possibilité de travail yo craser parce que c'est yo fait de où en société cap consommer produit yo cap consommer pour yo et yo transiter causer ça yo la caillou c'est que nous conscients c'est yo un gros blocage sous toute forme parce qu'on pas cap parler économie ou société qui c'est poumon de cette manière pendant ce temps li obligé à vivre de l'importation tout temps et pas exporter côté pour joindre comme ça yo c'est des questions nous doit poser nous côté nous joindre comme pour tout temps à acheter ailleurs et nous pas gagner rien nous même en échange certainement pour, selon certains nombres d'économistes donc mon diaspora c'est lui qui permet à Haïti capable de survivre jusqu'à présent parce que il a enregistré près de 2 milliards de dollars vers mon communauté diaspora malgré que concept communauté hein faut que nous continuions réfléchir sur lui et n'a conseillé mon yo constituer yo réellement en communauté mais de cet entretemps communauté diaspora c'est lui qui permet encore survivance économique ça qu'on gagne là qui réellement fragilisé. En ce sens, nous retrouvons nos sentiments pour nous capables encore dessiner tableau social là en jeu. C'est moment pour nous t'avoir dit pour yon t'avoir dit l'autre bonne fin d'année, bonne et heureuse année, c'est pas le temps. Pas gain temps pour ça vraiment. Parce que tout au contraire, n'ab dit chaque grain de monde du bon combat, on est autant du combat. Il faudrait pas jamais céder le pas moun ki goumen ki cesse goumen ou cesse exister. Il est du devoir de chaque jour pour faire combat la vie et pour animer ou pour affronter combat la vie. De toute façon, c'est dans même combat la vie ça n'ab dit ou li important nous encore après le desservi d'un certain nombre d'illustrations pour nous kawè comment Haïti prend en otage. Et si nous voulons sortir de l'état ça, faut que nous identifier éléments de blocage. Et cette fois 77 fois 7 fois nécessité à imposer pour nous identifier ça passé qui fait que nous kankou des parias dans le monde. Nous tankou sous la terre toute société à dynamiser toute société liée de rapport de système yo d'existence yo à dynamiser et nous-mêmes nous rété bloqué nous dit tant que l'autre là qui t'ai fait campagne tipanago tipa gros causé OK mais fait vite tout ça yo même si que en vérité Haïti pas jamais bois bagaille côté que Tipanago là côté ne pas jamais font pas hein Tipanago nous pas font pas en avant ni en place nous rété en place eh bien Haïti doit faire pas en avant avec toute forme de complotel yo qui utilisait toute forme de vocable et d'usage pour yo enchaîner nous eh bien n'a redit pour nous centrer économie n'a vive là li réellement déplorable parce que nous pas produit rien ni en termes de richesse ni en termes de valeur s'il vous plaît n'a dit chaque grain de monde c'est pas parce qu'on gagne gêne bouche lors nos société qui faut qu'on exister pas parce qu'on sont élément biologique qui fait qu'on exister lors nos société ou exister c'est les qu'on lié socialement à tout ça qui concerne pays ou et ou lié pour participer à tout ça qui tend à transformer pays ou parce que nous devons fouiller aller même questionner interdit ou pour nous comprendre pour qui ça nous bloquer et nous pas jamais ka faire un pas en avant ni on pas nous rester en place quitte à nago pour ne pas jamais bouger le pas. Nous pourrons apprendre fouiller ensemble et ceci
on est au temps pour nous, dans quelques minutes, nous pour avoir une chance, encore une fois, pour nous, avec Dr. Bouchouot, pour nous poser questions et permettre ou même scientifiquement comprendre comment yon érigé yon mur, un mur infranchissable. Comment nous cap parler de société, les que société y a pas gagné un système économique pour qui permette lui-même gain propre finance li pour qu'a investi selon et en fonction de vision de société. Comment nous cap parler aspirer dans société avec yon l'état qui pas gon plan cadre dans terme d'investissement qui dit mec moun m'a généré mais en quoi n'a investi pour capable bay résultat X donné parce que moun nous réveille. Ceci c'est pour ça Haïti réveillé ça fait particularité émission ça nous dit c'est permettre tout comprendre cause yo au-delà même des phénomènes qu'on pas ka échapper parce que cause yo y a engendré des phénomènes d'ordre naturel cause que nous toujours dit dans toute approche n'a fait nous doit connaître problématique haïtien les systémiques. Les systémiques, les grands rapports de système qui érigé contre nous. Banque, nous ka comprendre. N'a parlé d'économie nationale, mais autochtones haïtiens et pas eux même. C'est pas l'État haïtien. N'a un plan cadre qui définit, qui gon contrôle sous système bancaire. N'importe qui levé un matin, li décider, li monter, li augmenter frais de service li. Comme bon lui semble, pas gen personne qui gen pour dire personne. N'importe qui, le bon matin, li arrange avec Banque Centrale, li fait comme Jean a fait, nous constater, yon société qui se repère bandit modèle, enseignement de bandit que yon ba nous, côté que preuve qui montre qu'on gon l'état de bandit, qui montre yon moun de l'étranger, dans conditions difficiles que nous connaissons, qui voyait des peut-être pour subventionner famille yo ba ou moyen de survivance aux yeux de tous l'état casse cool il prend encore bio et ses repères nous dit nous pas cap gagner une société pour ses repères de bandits que pour la produit modèle yo pas capable comportement yo nous pas cap gagner comportement que du bandit teams de toute manière nous toujours dit être humain hein, c'est ça l'a emmagasiné comme modèle. C'est eux-mêmes qui a reproduit. Ceci implique tout problème n'a fait approche de eux, nous devons faire approcher en termes cause et effet. Comment nous, économie nous, li bloquer? Li bloquer parce que, d'abord dans un petit A, qui forme de rapport économique qu'on gagne dans la société ça? Qui forme d'échange économique qu'on gagne? Qui est-ce qui régule rapport yo. Moi même rive Costa Rica il fut qu'un temps. D'abord premier ça gouvernement costaricain a été exigé si comme ne gagne dans poche forme de déclarer dans banque ça pa yo. Pour yo connaître pour gain contrôle parce que l'état pas capable ou pas capable gagner un pays tout monde pas gain personne qui gain contrôle sur comme pays a tout nèg ka prend tout cob ou entasser ou mettre ou faire trésorerie pas gagner personne qui gain contrôle sur quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'a pas parlé de société? De toute façon. Et Balbito m'a connaît. De toute façon, le temps que professeur a rejoint nous et le temps que Balbito pour rejoindre, n'a pas continué. Oui, de toute façon, nous arrivons à un moment pour nous chaque pas jamais hésiter pour nous prendre tableau pour s'allier. Et nous-mêmes pour nous exposer le pour ne pas fort perdre du temps parce que grand pile monde qui a fait des émissions qui consistait faire des émissions pour tuer le temps et pour faire view nous-mêmes nous devons faire des émissions qui ré oui et c'est professeur et qui ça de toute façon et une seconde une, oui. Une seconde et ou du moins. Oui. Le temps que nous pourrons retrouver Charles Bouchouot. Et je ne connais pas Balbito. Est-ce que Charles en ligne?
Et professeur Bouchereau, encore une fois, nous avons plaisir pour nous dire bonjour. Bonjour, professeur Bouchereau. Allô? Allô, allô, allô. Oui, nous avons Bon, plaisir. monsieur de Ronville, France de Ronville. Bakwan Soutan demain. Oui, me tendez bien. Bon, ok. Donc, je salue la communauté haïtienne qui vous écoute. Moi, ouais, que vous avez une grosse participation d'écoute dans l'émission Yo, près de 9000 monde, c'est quand même. Oh. Et. Non, mon cher, d'a fait des émissions qui 100 000 monde, mon cher docteur. Et nous avons 25 000 abonnés, nous pas faire pédanterie, hein. De toute façon, Ok, vas-y, merci. C'est bien appréciable. c'est très bien, me saluer tout le monde. Ok, me saluer tout le monde. Jeudi, c'est mercredi 29 décembre. Nous avons 2 jours de fin d'année, nous avons 2 jours de fête de l'indépendance, nous, que monsieur Américain, en général, qu'on a presque toujours refusé de célébrer. Ok, pour des motifs X, ils ont bloqué nous. Mais, dans notre pays, ils ont essayé de célébrer l'indépendance d'Haïti. Pas attendez, ouais, qu'on parlait, mais Non, est-ce qu'on non, entendait, moi Mgounia? t'endo, moi t'endo. Bon, ok, je vais continuer à parler. Oui, on va passer bien, 5 sur 5. Ok. Donc, moi, content, j'ai besoin de connaître qui est préoccupation, qui est problématique aujourd'hui, qui problème ouais que vous nous avez posé. Et problématique, c'est j'aime ta parole là, nous besoin qu'on ait en termes d'héritage, un ensemble d'héritage que Haïti a payé, un ensemble de COP jusqu'à présent, Haïti toujours a payé. Gagné comme exemple, service de la dette, nous gagnons toute COP pour qu'il t'a rentré, pour t'a permettre finance nous avancer, pour qu'il t'a servi dans trésorerie nous. Nous gagnons obligation à payer et nous gagnons, ça veut dire, à nous mettre exposé pour nous permettre, Mounio, saisir l'occasion pour comprendre qui ensemble d'héritage économique qu'a pesé. Sous dos Haïti. Bon, merci, monsieur Tronville. Et moi, je suis content que nous soulevions le problème là en termes d'héritage. Parce que y en a un grand héritage que nous gagnons et que, en général, à cause de Karl Marx, qui était refusé étudier problème haïtien, et parce qu'il était en contradiction avec théorie, ok, il a vu passer sous silence. Période que y aurait les périodes indiennes et qui en fait la société Arawak et Taïno et qui vivent l'empayant lorsque Christophe Colomb arrivait. Là ça monio tap vive en bas Ajoupa, ok, lorsque yo fatigue avec soleil là ou bien que gain la pluie ou bien que gain tempérie. Yo aller là là joue pas mais yo pas transformé quoi en Grèce et ajoute pas en écono en mode économique ce qui peut le faire que en Grèce yo pas venir parler de normes économiques normes de la maison c'est-à-dire l'économie première fois on va l'utiliser mot économie hein, ok c'est Aristote qui utilisait mot ça en Grèce et qui voulait indiquer une sorte d'économie matriarcale qui était développée. Nous-mêmes, nous pouvons arriver dans le facteur, dans le développement, ça, hein? Dans un petit stade un peu plus bas, mais qui peut montrer que système-là, ok, était basé non pas sur ça qui était déjà gagné à l'époque de l'économie, ok, un système de troc. Eh bien, en Haïti, pas de troc. Ok, ce qui existait, c'était un système de dons. Ok, c'est très important, ça m'a dit là. Parce que dans l'évolution de l'humanité, nous prenons qu'au fur et à mesure que l'humanité va le développer, il va le transformer système d'exploitation que nous gagnons là, qui démarrait avec système de troc-là, il va le développer dans le système de dons généralisé. Et une forme de don, c'est le don de la personne, le don de soi. C'est-à-dire l'intelligence, la faculté de penser, y compris le sexe. Et nous parlons, ouais, lorsque Christophe Colomb prend le débarqué, il peut demander à Arawak, est-ce qu'il est capable de un petit bagage de l'eau que vous avez dans la main, est-ce qu'il est capable de porter quelques-uns pour vous?
monsieur indien qui pas comprendre puisque son système de don, il dit si monsieur Mandel probablement le besoin parce que l'économie c'est ça, c'est satisfaction des besoins. On a un système ça yo depuis un petit monde crié, ça veut dire que l'imandé, c'est son système de don de la mère à l'enfant. C'est exactement le même problème là. C'est l'on petit monde crié, l'on m'a don bagay, c'est que le bon besoin. Blanc t'a demandé, est-ce que vous avez l'homme? Il a dit oui, vous avez l'homme. Mais lorsque Kounia, il a pas dit, Blanc fait au cadeau bateau, yo. Bah, yo bateau, yo, Blanc dit non, j'aime pas capable bon bateau. Et puis c'est là, contradiction a commencé. Contradiction de deux mondes, deux civilisations, et différentes pour le paraître, côté que yo pral vle que monsieur indien yo pote plus l'oba yo, parce que dans propre pays pa yo, bon division internationale du travail qui a frappé yo, yo besoin commercer, et pour capable commercer, qu'on soit l'état non universel, c'est l'or. Or, il se trouve que yo joint l'or à gogo sous terre. Donc, yo pral tourne avec un paquet l'or en Europe, et puis yo pral voler en quelque sorte quelques chefs indiens, yo mené yo en Espagne. Yo pral kidnapper. Yo arrive en Espagne. Yo kidnapper yo, bien. Bon, yo dit yo que vini me pral montre bateau, hein. Faut visiter bateau et puis yo toile avec yo. Oui. Ok? Donc le arrivé, et venant recevoir yo, t'es gen même montagne qui descend depuis la France, qui vient, ouais, bah, ça, il n'est pas possible. Et puis là, Montaigne arrivé, Montaigne fait déclaration, signalé par des économes, par des sociologues de la haute, des hautes études en sciences sociales, à Paris, qui dit que Montaigne aurait déclaré que, ou bien, un grand écrivain français, qui était descendu, vino, dit, moun, ça, c'est probablement moun, yo, oui, mais, noir, yo, pas moun. Ok, noir, yo, gen cheveux crépus, yo, même, yo, gen cheveux droits. Ni parent, ni compte, que le fait que t'es gain cheveux droits, c'est que t'es plus singe que noir. Parce que, pas gros singe qui gain cheveux crépus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux même qui gain cheveux droits sont des descendants directs des singes. Bon, nous pas pour rentrer dans sa cunière. Oui, mais ça me devait dire, c'est que, gros commencement de discrimination, non seulement raciale, mais également économique. Deuxième caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de circulation monétaire du tout. Ok, tout ça m'a demandé moins bas, tout ça au besoin bas, inversement, tout ça au m'a demandé moins bas. Et donc, il va faire ça va créer une situation exceptionnelle que en économie, plutôt en termes de droit, il nous prend à relayer ça et ça a montré nos travaux recherche moins. Qu'il s'agit de possession collective. Il ne s'agit pas, comme dit Karl Marx, de propriété collective du sol. Il s'agit d'une possession collective par la communauté des zones spatiales vitales. Ok, il y a rien à considérer, puisque il y a plus ou moins de telle origine familiale, de tel groupement. Donc, il y a déterminé une zone que auraient les tels gens, et qui en rapport avec l'autre chose, sans que pas nécessairement ait un rapport conflictuel. Donc, former une sorte de tout sous île, ok, même sans rapport conflictuel. Rapport conflictuel que vous avez, c'est avec monde qui part vivre dans l'île, c'est monsieur Caraïbio, que Christophe Colomb prend le relais cannibale. Ok, cannibale, ou bien comme ça. Et c'est ça qui prend le fait que vous avez cannibale. Vous voulez dire mon bagage? Oui, les Caraïbes, ils ont été retrouvés de l'autre côté de l'île, en République dominicaine. C'est ça, ils étaient plutôt dans les SME, dans la zone et Martinique, Guadeloupe. Mm-hmm. C'était les zones principales et les petites îles environnantes. Mm-hmm. Mais eux-mêmes, c'est des mangeurs d'hommes. C'est-à-dire, ils ont toujours la phase de mangeurs d'hommes international. Parce que tous les peuples sont passés par la phase de mangeurs d'hommes. Et donc, on m'a terminé, professeur. Oui. Donc, yo même, yo pas gain état proprement dit. Si yo te gon l'état, ça veut dire que yo t'a exploité une série de monde dans propre sous propre camp yo. Yo pas gain état.
et sont situations qui semblables à la situation de la Grèce. Parce que la Grèce, à l'époque de l'économie, n'avait pas d'État non plus. Et au contraire, étant donné que les Grecs n'ont pas voulu transformer tant de moyens en seconde, pas voulu transformer Tétio en dictature contre leurs propres citoyens, eh bien, c'est sous Métèque, c'est-à-dire étrangers, que les combattants, ou bien étrangers qui viennent, ils ont transformé en esclaves. Mais eux-mêmes, c'est peut-être ça où ils parlaient de la démocratie athénienne, son démocratie pour les Athéniens, mais son démocratie contre esclavagiste, contre les Métèques, okay? Contre les étrangers, contre les tribus vaincues par l'armée grecque. Donc, ce qui fait que nous-mêmes, nous pas de colle en façade du tout, okay? Nous pas de gain contrôle et territorial au sens de étatique. Okay? C'était un espace vital. Me rappeler que espace vital, ça, c'est théorie que monsieur Fascistio, allemand, yo, pour venir avec yo, pour justifier attaque hitlérienne, non? À savoir que espace vital par auquel l'Allemagne, tout, vient trop petit, donc c'est pour l'Allemagne qui est extension. Donc, il peut attaquer l'autre pays. Ok. Donc, eux-mêmes, c'est pas qu'on s'est fait extension, hein. Son bail naturel, c'est surtout par génération. Écoute. Ensuite, très important, lorsque la reine pral dit, mais pour qui sont à gérer la communauté, la reine Isabelle, pour qui sont ou ses chefs, pour qui sont son cacique, parce que le terrain les têtes lui, dit même, il c'est cacique, cacique. Donc il dit, pour qui sont son cacique, je fais geste pour demander pour qui ça. Mais monsieur marche, montre yo, il prend tout le monde, et puis il marche devant. Il dit, parce que le marche devant. Donc c'est pas ton chef. Dans le sens que mon apprécié fait quoi, que son royaume, c'est blanc européen qui venait, il dit oui, son série de royaumes qui t'ont gagné, ok, et que c'est pas vrai, c'était pas royaume que t'ont gagné. Chef, c'était des chefs naturels. C'est quoi en Allemagne, c'était le caput. C'est quoi à Rome, c'était le avant-garde, ok, c'était monde qui t'a marché devant. À l'époque, Potko gagne groupe militaire, ni non plus tout pour la bataille, c'est qu'il y a pour bataille. Ok. Maintenant, c'est comme ça, bagaille. Donc, monsieur oui. Vini inventait une série de notions politiques et économiques que eux-mêmes n'ont pas de gain. Donc, ils n'avaient pas d'économie de l'habitat, donc pas d'aménagement du territoire non plus. Ok. Donc, c'est situation ça, hein, que n'est-ce pas le joindre. Le Ovini, qui ça, on va le faire, pour des raisons de mobilité, division internationale du travail, me sont expliquées, ils ont besoin de l'or. Donc, ils ont besoin de bombarder l'Espagne avec l'or pour l'Espagne vienne plus puissant. Pas oublier que l'Espagne, à ce moment-là, il est colonisateur du Portugal, jusqu'à présent. Portugal, pour libérer Tetli, en alliance avec la France, contre l'Espagne. Mais en attendant, ils sont dépendants espagnols liés, donc Espagne besoin gain maintien sous l'autre colonie que gain, y compris colonie blanche. Donc ils ont besoin de l'or. Donc ils ont bâillent l'or pour que y a l'exploiter l'or. Ils ont transformé indien en esclave pour le travail et l'exploitation. Ce que indien va jamais qu'on fait. Pour qui ça? Parce que système que t'as vivre là. C'est ce qu'on appelle un système, non pas d'économie, un système de subsistance. Ok? Un système côté que, pour se subsister, il faisait de la cueillette. C'est cueillir, cueillir mango, cueillir, cueillir. Pour qui ça? Parce que la nature était très luxuriante. Et lorsque Christophe Colomb arrivait, Christophe Colomb dit, mais c'est pas possible. Son Valparaiso, son vallée du paradis. Tellement Haïti était belle. Il dit, un Indien mangeait par jour, ce par jour, par mois, bah, son j'ai salté dit exactement, ce que 40 Indiens mangeaient, oui. Ça que un Espagnol mangeait par jour, le matin, c'est ça 40 Indiens mangeaient par jour. Ou bien ça ce qui veut dire qu'ils n'ont presque pas mangé. C'est qu'ils ont un petit abricot, qu'ils ont un petit mango, et puis ils ont mangé comme ça.
OK, de temps en temps, ils ont mangé. Ce qui fait que c'est un peuple extrêmement faible. OK? Mais ça ne veut pas dire que l'esprit de don, on veut dire que assujettissement aux étrangers. Donc, là, on va l'assujettir à l'esclavage. Mounio, comme tout esclave, va avoir la tendance à se révolter. OK? Et c'est ça qui va le passer. OK? Ils ont exploité l'or, ils ont voué l'or monter. Pendant ce temps-là, ils ont même commencé à révolter. Lorsque ils ont commencé à révolter tout bon, en parenthèse, j'ai besoin de signaler ça pour l'anthropologue nous. OK? Moi, je parle de le système de don, don de la personne, c'est-à-dire qualité mon âme, utiliser cerveau, utiliser main, etc., qui sont des dons naturels. Mais bon, l'autre don naturel que vous avez, c'est sexe. Oui. Mais sexe-là, lorsque vous recevez étrangers, monde qui fait venir, OK, eh bien, fio pour welcome yo, pour dire bienvenue, OK, eh bien, yo couche avec yo. OK, c'est pas parce que yo besoin de coucher avec yo, mais c'est pour offrir le don de leur personne. OK, c'était juste, ça allait jusque là. Pour montrer que totalement pour yo. OK, que yo, c'est vraiment, c'est fraternité, c'est amour, one love. D'accord, oui. Haïti rêvé. One love, one love. Donc c'était comme ça bagarre. On fait une approche pour non différentes époques Haïti qu'on est yo, ou fait approche dans époque indienne. Maintenant, on t'a aimé que nous font approche dans temps qu'on y a en termes conjoncturels. Dans le sens qui ça? Tout font approche ou hein, étant donné Haïti te connaît trois grandes époques dans l'histoire, ça c'est époque indienne ou parler et pas qu'on est tout est vrai tout en termes d'héritage fait l'autre approche les Haïti de l'île de Saint-Domingue et autres, mais on t'a aimé que nous camper en termes de conjoncturel qu'on y a économiquement, socialement, quels sont les enjeux? OK, nous t'aimer quand même font-y achever. Okay. Ça me commencer hein, parce que m'insister. OK, vas-y. M'insister sur l'époque indienne hein, mais il y a quand même d'autres apports importants et que Haïti peut faire. OK, en termes d'analyse par exemple, faite par tout ça, l'ouverture des douanes en Haïti, du rôle des douanes. Nous t'avons aimé, oui, on m'a allé là, ça est intéressant. Après bon. Toussaint Louverture. Ok, il y a un rôle douanier au côté que monsieur, alors j'ai développé dans la mémoire de maîtrise, mais le côté que monsieur a considéré douanier en termes de prélèvement financier, mais également capacité pour utiliser et financer pour construire ville pour elle y faire et financer agriculture pour elle y faire en Dominicanie, construire une ville en Dominicanie, etc. Je suppose autre des moins. Oui, très bien. Tout au contraire, pour rappel de l'histoire, sur ce sujet de ville-là, étape d'importance pour rappeler. Oui, donc, et monsieur est venu donc avec tout ça, tu es plutôt partisan. Bon, pas de partisan, c'est logique, là, système-là, de grandes propriétés foncières. Et il va le faire gendarme lié d'où le caporalisme, on va le ça le caporalisme agraire, c'est mon l'armée qui va le gérer. Ça tout ça et pour tout donc quoi me saute dit nous son bail très important, c'est l'aménagement du territoire. OK, c'est que dit l'olwe que monsieur Dominique. Allô? Oui oui. On parle? Oui oui, non là, n'a suivi vous. N'a pas quitté pour pas perdre. Parce que depuis moi a parlé. Non. Ah, c'est YouTube. Tout le monde avait dit que. Yeah, c'est avec moi d'après. YouTube. Ok, donc Monsieur Palvini avec la création d'une ville nouvelle en Dominicanie. Pas songer non ville là, mais c'est beaucoup de frontières. Là, très intelligemment, il fait beaucoup de frontières haïtiennes, là, qui est traditionnelle que nous connaissons aujourd'hui. Hein. Pour qui ça? Parce que c'était plus près ville qui t'a gagné déjà, yo. Et donc, t'es capable de gagner en communication, en rapport et en développement mutuel. M'a passé sous période ça, pour nous arriver dans la période des Saliniennes et Christophiennes, ok, que nous sommes capables de mettre plus ou moins ensemble son système qui est basé sur la prédominance d'un individu comme chef d'État, ok,
Et donc, ça y est, même Yovini, avec lui, c'est surtout les grandes constructions. OK, on voit dans le nord la construction de la citadelle et la citadelle du roi Christophe, OK, qui ont immense des travaux gigantesques qui presque assujetti et peuple haïtien à l'esclavage. Mais cependant, c'est pas ton esclavage à proprement parler parce que tu étais volontaire pour faire quitte à ce que tu mouris parce que tu étais plutôt mouri que blanc vient attaquer pour mourir en bas même blanc. Donc, yo pral construit un fort pour qu'a permettre yo défendre tête yo contre une évasion contre blanc. Christophe va l'utiliser ça pour le développer pour chef Fril, mon pali qui vient le vienne chef, etc. et sa royauté. Bon. Mais, et quand t'as Dessalines, quand t'as lui-même, c'est pas, et parmi Dessalines était l'un des quatre mulâtres ayant participé à la préparation du soulèvement de, comment dire, les Boukman. Ok, où t'es gagné Dessalines, et t'es gagné Rigaud, t'es gagné, bon, me référer nous à, et docteur Mathurin qui citait quatre noms, ça, qui t'es participé, quatre mulâtres, ça, qui, bon, yo, alors, il faut dire que nous, yo considérer Dessalines comme mulâtres, non pas parce que était de couleur rouge, ou bien le deux, mais il s'est ton sang mêlé que le thé, donc, yo t'es dit, c'est son mulâtre. Parce que la loi de Mendel fait que vous avez le même noir, l'on se sont sans mêlés. Mais monsieur était un petit Jean très foncé, mais où est que il était ou sans mêlé. Et donc, nous prenons gagner tout des grands travaux d'infrastructure que des Dessalines prennent initiés. Il considérait peut-être comme empereur, non pas parce que il trouvait que son empereur que lié, dans les mecs haïtiens comprennent ça bien. C'est parce que il répond à l'empereur Napoléon, sous ses empereurs, mais même moi, fout empereur côté mien, hein, parce que m'battou sous terrain de bataille, là, donc, mais décrété tête même sans empereur. Non pas parce que le t'es besoin de faire un empire, comme Soulouk, pour le faire, pour le mettre l'os à gagner la tête li, ok? Mais c'est parce que, dans le combat, il t'est voulu indiquer, il saute gagner, premier empire, là, et ben, lui-même, il est la tête li empereur. Maintenant, il y a un monde qui l'a équipé, hein, pour prendre bagarre là pour empire, pour le pousser monsieur pour empire, aduler monsieur pour le capable pour empire, et il prend même juste la constitution, dit que même, on va être raciste, mais c'est important, ok, à l'heure actuelle, puisqu'on sait que, qu'on sorte de race étrangère, qui a dominé l'économie haïtienne, c'est peut-être ça, me le vin là. Ok, il prend le dit que tout haïtien, quelle que soit couleur poli, parce que nous rappelons qu'à l'époque de la colonie, avant la colonie, et nous t'ai parlé de ça, me pensais, dans l'émission précédente là, t'es gagné près de 98 couleurs de peau en Haïti avant l'arrivée massive des Noirs pendant la période coloniale française. Même si Noirs qui étaient venus pendant la période espagnole à partir de Las Casas, l'évêque, Las Casas qui était transformé noir en esclave, eh bien, yon pral dit dans la constitution des Salinas que quelle que soit couleur de peau que nous gagnons, nous tous c'est noir. Ok, c'était pour éliminer bagaille discrimination entre nous. Parce que bagaille, ça c'est ton bagaille très drôle, jusqu'à des Salines, parce que des Salines songeait que des Salines marchait, non seulement il ratiboisait tout blanc qui était gagné l'économie, ok, donc il peut jouer une économie complètement vide, pas en succession, il pas en succession économique, donc il rasait tout le monde, ce qui n'est pas possible, n'est pas acceptable, mais à l'époque, monsieur dit, s'il pas de faire ça, c'est peuple qui tape manger, parce que monde ça a été tellement fait peuple, hein, pour un cri ou pour un crack, comme français a été dit, assassiné. Ou bien bouler au pont fer, bouler avec fer chaud les épaules, ok, pour mettre sur le fleur de lys, le déconner les ça, yo marquer avec fer chaud, ok, quelle que soit mauvaise action que vous faites, hein. Et puis quand t'as sauvé, même c'est peine de mort. Si on comprend Bovine Marron, c'est la peine de mort. Donc ce qui fait que le
monsieur était que population a pas de bleu ouais et monsieur ça du tout, mais c'est pas correct puisque bon bonne là qui te fait venir qui pas plan rien, OK, qui fait arriver la colonie parce que c'est au contraire, c'est chapé à chapé parce que t'es révolutionnaire et là en France et que ouais t'a poursuivi même moi qui te gagne colonie, c'est lui même qui t'a poursuivi négo. Donc monsieur fait fusiller tout le monde. D'être pétion, lui même pas participé là-bas, là, l'a regardé. Ben, il n'a qu'à faire, il n'a pas participé, parce que il était pas là avec, Dessalines, et Dessalines, lui-même, pas non plus très favorable à un assassinat collectif. Pétion pas d'accord non plus, mais cependant, mon cher, mais tout le peuple était tellement vexé, il ne comprend le peuple ça, peuple a fâché et écrasé les gars. Maintenant, donc, autrement dit, pour me passer sous bagaille ça, parce que, par gain, on incidence ethnique dans le développement économique. OK? Mm-hmm. Et si dans cette nique-là, c'est justement qui va venir développer à partir de, surtout, et à partir de 1825-28, côté les pays, les États-Unis décidaient que dans tout pays qui a un rapport avec eux, si ils n'ont pas pris plus ce pays bien blanc en tête, li, c'est plus qu'ils ont fait rapport économique avec eux. Donc, quand Haïtien, bon, depuis sous Dessalines, n'a eu foutu nous sous embargo en 1806. Parce que question de noir, là, y'a vint chef d'État, bah, ça y a balade. Donc, alors, nous compte tout à l'heure, t'as pas le courrier d'aime parce que m'a les trop de barres là. Or, embargo, nous connaît, son bagage qui récent, quand même. Eh bien, donc, alors. Et son embargo que y'a foutu Dessalines en 1806. Ok, c'est pour nous parler de lui. Ok, américain qui te mettait déjà. OK, et là on va le venir en Haïti, on va le servir seulement avec mulatio, avec pas dit mulat métisio. OK, l'Igovine réinstaurer ce que la constitution des Salines avait interdit. Des Salines te dit pas une couleur de peau. Tout le monde c'est même bagaille, nous tous c'est noir. Parce que face à l'ennemi, nous tous c'est noir. Ni pas même considérer que nous t'es grimaud pas grimaud, c'est ratiboisé de la pratiboisé, non. Nous-mêmes, c'est pour nous éliminer tout. Donc, autrement dit, ce qui Bralvin fait que, Américain Bralvin restaurer une série de classifications raciales au service de son économie. Maintenant, l'ivoire est l'ONU, premier bail que le fait, OK, donc d'où l'importance de l'or jusqu'à présent. 1910. OK, et même à partir de 1971, c'est toujours l'or qui prédomine la scène internationale. Et nous-mêmes et la chute du dollar, etc. Mais cependant, bah yo pral avancer. Même te vle rappeler cependant les apports de la République. En aller. C'est pas les rapports de la République en soi, c'est les rapports des dirigeants de la République. OK, parce que la République là qui a inventé Bayo. OK, d'abord pour la première fois en Haïti, gon stratégie de développement. OK, là yo vinn rendre compte que monsieur Bayo a pu utiliser le fait de produits agricoles et que c'est seul Bayo te gagne pour te commercialiser pour rentrer l'autre produit au besoin. Eh bien, blanc bloqué yo par tous les moyens et puis qu'on y a vinn décider de changer de stratégie de développement. Yo vin produit bois au lieu que produit marchandises agricoles. Donc ça c'est yo. Le deuxième point, comme moi pas gagne temps développer toute bagaille, pendant la période esclavagiste, c'était systématiquement ce qu'on appelle la disette monétaire. Pour qui ça? Parce que pas fouti gagne accumulation, l'on pays qui prend toute fortune, qui voyait la métropole là. Donc c'est quoi kounya? Yo nèg yo fin font comme qui côté voyel. Dans le pays développé, il y a le caché dans la banque étrangère. C'est peut-être ça, la banque étrangère, yo, saisie de geler comme yo, et puis subitement, yo conformé, yo, dans sa blanc, mandé. Donc, eh ben, t'as gagné 17 monétaires systématiques, eh ben, République va finir avec ça. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, écoutez bien, petit monsieur étudiant, yo. Tout le monde. Okay? C'est confirmé par la Banque de France. Dans l'histoire monétaire, de l'histoire monétaire de Saint-Domingue et de la République d'Haïti, le président de la Banque de France l'a confirmé que pour la première fois, on va utiliser le papier monnaie comme monnaie de circulation. OK?
Donc, son bail exceptionnel, la monnaie fiduciaire a été inventée par Haïti bien avant les Européens. Information, Mounio, d'où est-ce et les Américains. Donc, ça, yo dit scientifiquement, yo reconnaît li, mais yo pas vulgarisé. Pendant ce temps-là, qui ça a fait? Il a fait fabrication de fausses monnaies dans la République, contrebande de marchandises dans la République à partir de la Dominicanie. Donc, contrebande et falsification de fausses monnaies font partie de la lutte économique. Deuxièmement, tout le monde songeait que lorsque Kounia, qui soit dit. Non, mettez allez, mettez continuer. Ok. Lorsque Kounia, haïtien, au bras, voulait montrer que au bras, changer de stratégie, il a fait ça que Adam, et président Adam Slanté dit, la guerre financière contre Haïti. Ah bon? Vous comprenez, nous, plus intelligents sur le plan commercial, vous pouvez utiliser double drapeau. Union vient avec notre stratégie de développement de bois, eh bien, nous pouvons montrer ça nous-mêmes. Nouveau, nous ne pouvons pas foutre reconnaître tout quand même. OK? Alors que, je rappelle, OK, c'est très important, la différence entre les États-Unis et l'Espagne à l'égard du Portugal, ils ont reconnaître les États-Unis avant que les États-Unis déclarent la guerre de l'indépendance. Alors que le Portugal, la même chose. C'est grâce à la France que on a conquis véritable indépendance et économique, yo, parce que au début, yo, l'Espagne avait déclaré le pays libre et indépendant, mais menti, ok, parce que la France t'a soutenu, yo. Ok. Donc c'est même bagaille. Lorsqu'ils ont rendu compte que Français ont pas soutenu Américain, yo, eh ben, yo, c'était Clinton ou certain général Clinton qui était responsable de l'armée et coloniale. Et ah, anglaise, ah, eh bien, ils ont lancé une opération contre monsieur. Donc, ce qui vient faire nous-mêmes, ok, et ce qui vient faire que monsieur, malgré que imposer nos dettes, nous, qui est-ce qui a nos batailles avec eux jusqu'à ce que dette réduit au minimum? Ok, il y a un monde qui permet de nous calculer pour dette réduit au minimum, c'était la Cour des comptes. Parce que, vous voyez, pour créer la Cour des comptes, il paraît la Cour des comptes. La Cour des comptes, là, sont fausses dénominations. Ok, pour créer la Chambre des comptes. C'est-à-dire, au monde qui a calculé compte économique pays. Et il paraît mettre tout douane sous l'autorité de la Cour des comptes pour faire calcul financier pour qu'on ait combien comme nous était doué et combien comme pour nous payer. Et nous t'es presque arrivé dans la phase de paiement d'être lorsque monsieur le financier ça a rendu compte que si on quitte Haïti aller comme ça, n'est qu'on va venir indépendant tout le monde, c'est pour nous jouer notre argent pour nous craser Grenio. C'est là ça a vint avec une théorie refinancement de la dette. Et professeur, okay? Professeur. Donc, tout ça c'est économique. Tout ça c'est économique. OK, nous toujours été dans le plan économique là. OK, refinancement de la dette là, pral fait à taux d'intérêt composé. Ce qui prend à quoi considérablement le montant que nous devons. Donc, là, on rend compte que Haïti prend libérer, attention, M. Deronville, m'insister sur Bagay Sayo, pas qu'il t'ont interrompu pour ça. Non, non, parce que c'est important pour nous comprendre que lorsque nous-mêmes nous sortis pour nous goumer pour motif économique, y a même y a goumer sur tout l'autre plan pour foutre nous, pour foutre de nous à terre. Mais qui ça a fait? Yo déclenché guerre et en la partie de Saint-Domingue, soi-disant pour la guerre de l'indépendance. D'abord, on essaie de débarquer, nous craser Bunda yo, kounye yo prend pop dominicain yo, et puis yo commencé et monter yo contre Haïti. Donc, étant donné que sur le plan de parlement, nous pas bien en pile représentant de zone ça, le parlement pas nous, donc, nous yo profité pour dire, ou bah ouais, C'est seulement eux-mêmes, et puis ils ont poussé Dominique à faire une révolte militaire. Professeur, et maintenant, tout ça pour empêcher de payer d'être là. Professeur, et d'être ça va le payer bien loin après que toute bagaille ça au fin fait. Professeur Bouchou. Bon, professeur Bouchou. Nous arrivons. Professeur oui. Bouchou, une seconde. Nous arrivons au moment où nous devons prendre un petit coup de pause tout petit. Dans quelques 5 minutes. Ok. Ouais, et très, très bien parce que nous allons commencer à faire. Thank you. Ok. N'a pas 5 minutes de temps de vous. Un coup de pause. Oh.
encore une fois, on se fait l'amour, on love. Et comme pas de voix, dans l'amour, nous estimer. Espace d'émission, ça, il doit servir pour enrichir le monde, pour enrichir la pensée humaine. C'est ça qui fait que nous avons choisi de faire des émissions de qualité. Parce que nous gagnons un auditoire réellement de qualité. De par là, nous avons continué chaud pour la journée. Merci pour toute affection, Capté Moyen Bapajo. Merci pour l'amour, ça. Et son devoir, nous avons continué à alimenter le champ social. Là. Encore, pour les gens qui ont peut-être à peine branché nous, nous avons avec nous Dr Charles Bouchereau, qui a gagné un doctorat en sciences économiques et qui travaille déjà dans Haïti, que nous tous connaissons déjà, qui était ancien président de la Cour supérieure des comptes en Haïti. Docteur Bouchereau, comment nous nous retrouvons? Bon, ça va très bien, monsieur de Ronville. Je suis content que je rejoigne à nouveau pour moi parler avec les auditeurs qui sont très nombreux. OK? Seul bagage par rapport à ça, me dit hein, tout à l'heure. Permettez que je sois revenu pendant 3 secondes sous lit. Avec plaisir. OK? Et c'est que, je parler de ce que moi-même m'a révélé pour la première fois. La joue pas nommée. OK? Pour qui ça m'a la joue pas nommée? Parce que nous-mêmes, nous avons un jour pas, mais c'est pas mettre à jour anomie. C'est-à-dire sans normes économiques. OK? Un jour pas parce que pas gain l'économie de la maison, genre que t'es gagné dans le pays développé, dans le pays européen, yo. OK? Pas vine by éco, c'est la maison. Nomos, les normes de la maison. Eh ben, même, moi, dit, c'est sans normes, un jour pas, c'est côté autorité. Et effectivement, yo même yo t'arrêté à yo t'arrêté là à jour pas yo parfois ou bien dans la nature la hamac etc mais t'es gagné taïno yo qui t'es vive l'angoisse yo ok donc taïno d'ailleurs pas de quoi parler ce sont des c'est pas moi qui dis c'est des chercheurs de grand renom tels que comment il s'appelle communiste, le premier monde qui défendait le Parti communiste en Haïti. On va parler, c'est pas. Non, c'est Roumain, Jacques Roumain, qui était un ethnologue, anthropologue, et qui déterminait que M. Taïnoyo, qui était vive l'angoisse, pas de gain langage articulé. C'est-à-dire, pas de parler, même gens, avec. D'ailleurs, il y a tellement de longs stages de non-parler que la reine, et, excusez-moi pour moi, je dis reine, mais c'est pas une reine mitéée, la classique. Ok, Anna Kaona, ok, t'es une classique parce qu'elle t'es chanteuse, tout simplement. Ok, elle t'es apprécié, elle t'es qu'on utilisait code vocal li, ok, elle t'es utilisé code vocal li, donc elle t'es une apprécié comme classique. Donc c'est Thierry qui t'es une chef. Et puis ensuite, probablement, t'es qu'on, excusez-moi, c'est retiré Timonio l'audition, hein, c'est qu'elle t'es qu'on coupé parce que c'est lui qui te recevoir tout espagnol et donc lui coucher avec tout puisque c'était le don de la personne. Mm-hmm. Bon, on y a ça fait me sauter directement à l'époque moderne. Dans l'époque moderne, ce qui est important, c'est le contrôle financier. Ok, le budget est l'un des éléments du contrôle financier, mais il y a également les comptes de la République. Les comptes sont un élément important des comptes publics. Problème des comptes publics, yo, nous sortis depuis période de 1800-1900 et nous étions toujours au même stade. Et c'est pas Haïti seulement, c'est presque tout pays qui compte ça. Au Canada, ils ont fait commencer à étudier les comptes publics en l'autre genre, en termes de comptabilité publique. Et même, moi, j'étais gourmet presque avec les représentants français qui devinent et rénover compte public haïtien. Yo. Je dis, on pas d'accord avec ça, au fait, hein. Je considère son série de comptes, mais je dis non, son comptabilité publique pour mettre. Je dis, pas de bail aux missions, pour te venir faire ça, donc je pas faire. Donc, je devais faire un rapport, même si je devais faire ça, pas d'avoir aucune utilité, puisque monsieur président Koudé Katsayo, c'était une bonne nullité en matière financière. Maintenant, pas continuer. C'est simplement une discussion que je me suis gagné avec et vérificateur général Canada,
qui va le permettre moi confirmer effectivement que ça me dépensait, c'était ça. C'est pour mon compte public. D'abord, et puis deuxièmement, il faut mettre de l'ordre dans le trésor public. Depuis Duvalier, OK, Duvalier quasiment fermé trésor public là, hein, et lui transformer trésor public hein, en instrument comptable de l'État et transférer et pouvoir financier trésor public là à la Banque centrale. Mais ça qui peut l'expliquer importance Banque centrale là sur le plan financier alors que la Banque centrale n'a pas le droit de faire de telles transactions financières. C'est le trésor public qui est la banque de l'État. Et donc, par conséquent, c'est elle qui doit s'occuper des transactions d'État, et notamment des bons publics. C'est-à-dire que l'État prêtait quoi? Il prêtait sous forme de bons. Il bon, un bon, et pour finir, on m'a des remboursements suivant, ça qui marquait le bon. OK? Suivant style de bon autour. OK? Mais on n'est pas capable de faire, on n'est jamais capable de gagner développement si on n'a pas un système ça en place. Impossible. Surtout à l'époque moderne. Et c'est pour ça que une première tâche que Israël a gagné, un, c'était que le premier ministre était un nègre honnête, et donc par conséquent, il exigeait que le ministre des Finances était un honnête. Et deuxièmement, qu'il a transformé le trésor public là, en monde qui a prêté la main diaspora. Ce n'est pas diaspora qui a fait ça le pito, qui a rentré pour faire ça le pito. Ben, on connaît peuple pas d'accord avec ça. C'est pour voyer comme le gouvernement. Gouvernement, si l'honnête, ok, il peut à partir d'un plan, à partir d'une programmation, il peut venir exécuter programmation pour développer le pays. Et puis, ce n'est pas chaque monde qui a venu, m'enlever dans telle section communale, tel, sont des autres. Chaque ONG vient. Okay, ce n'est pas un aménagement national du territoire. Maintenant, ça, c'est l'élément clé. Le deuxième élément clé, c'est la Banque centrale. La Banque centrale, c'est-à-dire la banque des banques. C'est-à-dire, c'est lui qui contrôlait masse monétaire là, pour que pas n'y ait trop comme nous songeons, d'abdino, que c'est haïtien qui t'a inventé, ok, la première fois, les billets, monnaie papier, la gourde, c'est la première monnaie fiduciaire du monde à circuler normalement. OK, donc, Banque centrale là, c'est lui qui régit circulation monétaire ça. Et un problème de circulation monétaire là, c'est le fait de ce qu'on appelle le crédit bancaire. Banque, à partir du système de dépôt, c'est peut-être ça a besoin qu'on vienne déposer quoi la caillou. Là, on vient déposer quoi? Banque centrale là, bah, autorisation, prend comme ça. Si on touche $1 la main, Banque centrale l'a dit, on va mettre prêter n'importe qui monde $5. OK? Parce que ça veut libre 20%. Donc, vous prêtez maintenant $5. Donc, automatiquement, Banque l'a créé comme qui peut exister. Puisque le créé, on comme que le va gagner. Libre bon l'inflation. OK? C'est le pouvoir de création monétaire des banques de dépôt. OK? Donc, c'est pour. Banque centrale a intervenu et empêché Négo et mettre trop de monnaie pour que on va gâter toute l'économie. Hein. D'où le contrôle monétaire exercé sur le crédit bancaire. Maintenant, le système de prêt restant est ce qu'il était, à savoir ou bien un système usurier, ok, ça aurait les poignards à la caille, ou bien un système de crédit, ok, c'est-à-dire un prêt à intérêt très bas, ou bien... Et en qualité d'économie, c'est le système que nous gagnons là actuellement. Et bien, c'est ça, Mabdoui. Nous gagnons tout. OK? Nous gagnons système usurier là, et que banque tout a pratiqué l'usure. Lorsque banque là a payé faire des transactions sur le taux de change, a exagéré sous son forme d'usure que lié. OK? Donc, et usure là, dit fait sous monde que on est capable de faire, ou sous système qui est capable de faire pour avantage sur eux. Son système davantage induit que système usurant. Si mon nan, ouais, alors mon deuxième, économiquement, pour être montré l'antésme, hein, ok, que pour être précis, ok, système usurant proprement dit, que nous gagnons au Moyen-Âge, que Saint Thomas d'Aquin était condamné, ok, pour dire pas de vrai, et les prêts à intérêt,
parce que c'était des prêts à intérêt usuriers. Maintenant, pour qui ça? Parce que c'est des petits montants. Si moi-même, moi, vini, me prêter la mon $1 ou bien $30 à un taux d'intérêt de $1 par année. OK? Eh bien, après un an, ou va le remettre moins $31, ça me parle pas de facteur de. Ma paye un petit bon, ou bien un monde qui a pu travailler pour moi pendant 2-3 jours, et puis c'est tout. Donc, je ne vais pas faire quoi avec un système comme ça. Plus ton, plus mon temps petit, plus ton on va l'élever. Par contre, si je prends, si je double mon temps d'intérêt, hein, OK, je me dis, mon cher, je vais avoir 100% d'intérêt, eh bien, je vais avoir $30 pour mettre moins 60. Là, je vais commencer à vivre. C'est le système ça d'après. Donc, c'est peut-être ça, intérêt usurier, suivant le niveau économique. Là. Parce que, banque Kounia pralvin permettre élargir capital. Là. Banque pralvin élargir capital. Là. Est-ce qu'on t'en démoin? Très bien. Mais, professeur, nous. Ok, parce que bon, mon gars, c'est réel. Banque pralvin élargir capital. Là. Et donc, base capital, là, ce qui pral faire, prêter à un taux d'intérêt moindre. Mais, à l'époque des Indiens, je retourne sous ça, malheureusement, parce que je ne vais pas profiter de ça pour me dire, OK, c'était un système que Saint Thomas d'Aquin était relé, ou prêtait au monde, par exemple, ou prêtait au monde au balai. Ou prêtait au monde au balai, c'est pas prêter ou prêter vraiment. Son, dirait ça, commoda. OK, donc commoda, son forme de prêt que lié. OK, une forme de prêt, mais sans intérêt. Saint Thomas d'Aquin est d'accord pour que prêt ça existe. Mais le fait qu'on prête au monde un corps sans intérêt, c'est perdu du corps vous-même. Parce que pendant ce temps-là, sur le marché, corps blanc, sous tes prêté là à intérêt, et même d'après le rapport. Donc, là ou pas, dit par rapport, il vient un taux dégressif, un taux pas dégressif, mais décroissant. OK? Donc, ou vient perdu corps. Donc, c'est peut-être ça, commoda pas tellement répandu. Mais ou toujours, au niveau familial, besoin qu'on prête, gagne aucun de petit mains, donc je m'en mon corps, donc je prête la même monde pour me capable de payer pour rançon pour petit mains, même pas prêter à intérêt. Alors, il y a un monde qui justement pour profiter de ces constats-là, et puis il fout un taux d'intérêt et que coûte couteau, ou on va de main, poignard, et puis donc, parce que dit, ouais, qu'on mal pris. Et c'est le pour y avoir même, c'est l'homme mal pris, c'est l'homme mal et puis c'est le sort. Maintenant, quand y a là, on vient gagner, bagaille ça. Lorsqu'on contrôle financier qui fait, et notamment cours des comptes, l'on peut faire le contrôle ultime, c'est ça, il est la vérification ultime économique, ok, et de la nation, ok, parce que, mais il est ça, vérification de la nation, tout, parce que l'homme ne fait concussion. Là, on par exemple, on prend avion et l'État, il y a 20 avions l'État dans une série de monde, ok, eh bien, et c'est vrai que qu'on y a, la nation vient concerner. Qui monde qui vient acheter? Qui est-ce qui y a? M'oblige à la banque privée, ou m'con comment opération t'es faite, etc. M'oblige à contrôler la nation. Donc, c'est peut-être ça dans la main que changer nos coûts de compte-là, d'abord, c'est pas en cours, ok, c'est le ou bon, à la limite une chambre, mais c'est la vérification de la nation, la vérification publique de la nation. Et la vérification est la forme ultime, la supérieure du contrôle financier. Ou bien le contrôle d'inspection exercé par le ministère des Finances, ok, c'est le plus... Or, justement, au niveau du ministère des Finances, monsieur est écrasé, et Duladier t'est fait écraser inspection de finances là. OK, élité by inspection ça by transmettre lui en partie à la Cour des comptes et en partie à la Banque centrale. Mais vous pensez bien qu'on bagaille comme ça, c'est voler que l'entraîner, corruption, OK, prévarication, concussion etc. des fonctionnaires publics. Donc c'est ou pas capable de faire une inspection de finances et correctement. Et puis, ensuite de ça, et le contrôle a priori exercé par l'inspection de finances, pas l'exercé par la Cour des comptes, on va être totalement absurde, car font contrôle a posteriori, et puis en même temps, font contrôle a priori. Et bien, bon exemple concret, ok, nous t'es gagné, c'est moi qui t'ai fait rapport sur M. Delmao qui t'a volé, ok, puis avec l'homme fin présenté
Et après ça, qu'est-ce qui vérifie? C'est une série de juges qui étaient là et contrôle a priori. Et puis là, on pouvait juger qu'à monsieur le maire de Delmar, c'est même juge qui vient juger qu'à en posteriori. C'est pas possible. C'est yon qui fait erreur qui était néglant volé. Et puis, mais qu'on y a, c'est yon encore qui a venu. Il va bien dire que je t'ai volé. Oui, ça, c'est blocage. Les facteurs de blocage. Pas de droit fait un double contrôle. Contrôle a priori, en fait, pour exclure de la Cour des comptes. A posteriori, c'est seul contrôle de vérification pour que la Cour des comptes fonctionne normalement. Le Kounia, passons à l'État lui-même, la question budgétaire. La question budgétaire, il y a deux aspects là-dedans depuis que l'Angleterre pourrait aller. Il m'a venu sur vous. Palem de Gagno, c'est juste après. OK? depuis que l'Angleterre vient émettre principe là, to make any gift, any qui ça, benevolence or such taxes without common consent by act of parliament. Ça veut dire que la loi pas qu'elle doit faire aucun prêt, ni aucun don, ni aucun geste financier si parlement pas d'accord. C'est peut-être ça, par le roi après le capituler devant la bourgeoisie et la République. OK, il peut l'obliger à adopter principe républicain. Donc, c'est ainsi que le parlement va continuer à exercer un contrôle a priori, OK, sur les finances publiques, sur l'exécution du budget et notamment sur la déclaration du Premier ministre. Mais ouais, la Constitution, ils ont retiré aspect ça. On sort aspect important. Premier ministre, là, s'il dit, il pourrait faire développement agricole, et puis demain matin, l'Ichita l'a fait, et hôtel pour Clinton. Non, non, non. Il n'est pas possible, OK, avec comme l'État, où tu dis, c'est tel développement qu'on a pourrait le faire. Et comment se fait-il que c'est l'autre bagaille qu'on a fait? C'est Wall Parlement pour intervenir, pour bloquer toute forme qui prend pour développement hôtellerie. Si c'est le cas. Donc, ouais, c'est important que le Parlement, qu'il y ait une déclaration de politique générale et par les responsables des finances publiques, et puis il faut un contrôle parlementaire, mais pas un blocage parlementaire. OK, comme ça se fait, une dictature parlementaire, comme le président Jovenel l'avait dit. Maintenant, le deuxième point, c'est que si on a un budget, son acte prévisionnel que lié. OK, on peut rentrer une série de cob dans recette fiscale, DGI, il fait tout ça. Et puis on peut le cob dans caisse l'État, en principe tout cob ça est censé aller dans caisse l'État. Au moins pas gain droit utiliser un cob public qui était destiné à un monde dans secteur public là et puis qui prend pour l'utiliser pour bagage personnel li. Par exemple, Aristide de recevoir cob de l'ambassade étrangère, OK, et il a été déposé, il a été marqué président Aristide Chouchek là, il a déposé dans BNC, BNC dit le pas promettre lui parce que c'est la banque centrale caisse de l'État pour l'aller, mais il a menacé monsieur BNC, il dit ouais mettre comme là, c'est pour Aristide acheter. Donc mais comment bagarre était passé, pas besoin de citer non. Mais comme il était concerné un président de la République, ça s'est réellement passé. Maintenant, le deuxième point, c'est que, côté moi, je l'ai vini, c'est que, pour le développement public, pour bien l'utilisation des finances de l'État pour payer des gangs. OK, ça a été le cas depuis Duvalier. OK, l'objectif, c'était de combattre d'abord les déjoyistes et puis ensuite les communistes et plus généralement les Camoquins. Donc, ils ont pris comme l'État, ils ont créé un gang qui aurait les Tonton Makout, une force paramilitaire en confrontation avec la police et l'armée, une troisième force que Duvalier lui-même là, les mémoires lui t'a dit que il comparait force ça avec les phalanges fascistes hitlériennes. Donc, visiblement, objectif, il s'était fait même genre. Eh bien, sous Mickey, monsieur tellement, excusez-moi. Oui.
Radio Télestom, 106.5, chaîne 2. J'ai tellement besoin de faire. Soumiki, on recommence, Soumiki. Prends une petite pause pour moi parce que le téléphone là, a pu mettre des ondes. De toute façon. Excusez-moi deux secondes. Oui. J'ai tellement besoin de faire. Oula? Oui. J'ai tellement besoin de faire des ordres financiers. Mais qui dit, bon, nous parler là, c'est le son état que, qui peut faire développement business. Business, tout côté business. Mais en réalité, pour le capable de soutenir business là, il commençait, il était l'intention, il s'était fait encore de Makout. Mais étant donné que le pas de capable de faire de Makout, il n'est pas capable d'utiliser 10 ans millions qui étaient l'enfrappe pour que y ait un corps spécial de répression, eh ben, il peut commencer par une série de petits jeunes âmes ou faire des gangs. Il semblerait que l'ancien premier ministre aussi était complice. Maintenant, Mbap Vini, ça m'a dit là, c'est bagaille que gang yo dit yo même, que te recevoir zam là, mais président Miki, et que Miki te fait au tuer moun. Donc c'est pas moi qui dit, ok? Bon, donc, moi, gardez sous émission dans toute radio, télévision, et à bas émission. Bon, maintenant, ce qui vient faire que vient conseiller de gang, mais sauf qui va venir obstacle au développement du pays. Sauf professeur. Ok, c'est une obstacle au développement du pays. Mais des autres qui ont pris le mettre là, ok, c'est parce que pas une planification. Des autres qui ont pris le mettre là, c'est parce que pas une programmation. Des autres qui ont pris le mettre là, c'est parce que pas gain programme de développement central du pays. Donc, ce qui prend le fait que, soi-disant pour business, ils ne sont pas capables de prendre comme paysan, utiliser le genre qu'ils veulent, ils prennent un prêt international que aurait les Pétro-Caraïbes, accordé par le Venezuela, ils prennent comme là, ils déchapillent. Ok, ils ont volé avec la République dominicaine des contrats impossibles, etc. Ils ont déchappé Haïti, dont c'est une fonds très important pour le développement économique et social d'Haïti. Or, si nous avons utilisé fonds ça, et correctement, eh ben, t'as pas gagné des résultats sociaux. On voit que, par exemple, regardez la Jamaïque, qui a même un fonds Pétro-Caraïbe à sa disposition, qui m'a des banques mondiales. Vigne gérer le boulis, sinon monsieur Balfon dépatcha sous bagaille là. Effectivement, Banque mondiale vigne le gérer. Eh bien, nous avons tout impact social que gagne en Jamaïque, pays pas un pays de rayon qui n'est pas noir. Donc, ce qui fait que, ou pas capable non plus, voulait développer business, sous pas fait étude de marché. Nèg mi qui en vini avec, nous pas faire business, nous pas faire des côtés études de marché qu'on gagne. Pas grand business qui peut le faire sans étude de marché. Côté lit. Bon. Radio alors, l'homme de la ministère des Finances, la Banque mondiale, qui comprend, mais c'est donc en concussion, d'abord le volet comme là, vous voyez, dire que un cadeau pour faire le ministère des Finances. Il y a bon, un cadeau, qui cadeau ça? Et puis, vous présentez mon petit brochure. L'homme a fait enquête sur le petit brochure là. On voit que c'était Bazin avec un secteur privé qui t'a fait. On poulailler, les poulailler, même pour le cap voler l'État, ok? Est-ce que nous comprenons un blé dire? Oh, en aller. Et puis donc, ce qui fait que, en fait, c'est ça, on t'a voulu, on t'a pensé comme d'abord le voler comme là. Moi, là, ça, c'était Maniga, me dit comme ça, mais même mes opinions pas moi. Si n'est-ce pas, ben, nous comme là, mais ça pour faire comme là, c'était notamment une étude de marché international. Pour nous connaître qui monde qui veut venir investir, que ce soit la diaspora, que ce soit auprès des firmes étrangères. Donc, au principe, président Maniga, t'es d'accord, mais il a fait mon coup de boule au niveau politique, ok, il a décrété que moi j'étais contre Maniga, ok, le ministère des Finances, ce qui fait que je viens retirer poste de gain, que moi j'étais responsable à l'égard de Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ainsi que de l'aide suisse. Donc, depuis là, et puis, n'est-ce pas, foutre moi dehors dans le ministère des Finances. Et trois problèmes pour eux. OK? Maintenant,
Venons-en maintenant à comment surmonter ces histoires de banditisme. Premièrement, c'est une histoire de sécurité publique, c'est de financer la sécurité publique correctement pour que cette sécurité publique puisse avoir les moyens de sa politique. Oh Dieu, est-ce qu'on pense que c'est définir moyen, ensuite quelle politique mener à l'égard de ces gangs. Parce que pas oublier qu'il y a deux aspects dans la gang là. Un aspect révélé par les barbecues, c'est-à-dire que Mounio réellement pauvre, malheureux, mais même moi, t'es contre ça déjà, c'est pas barbecue qui révèle, mais t'as travaillé dans la Cité Soleil. Donc, on compte ça. T'as aidé la population dans la Cité Soleil. Ah, on t'a fait expérience dans la Cité Soleil. Supposé des mondes qui sont gérés. Maintenant, le grand problème dans la population, c'est que Jeunio, peuple, là, en condition inacceptable. Pour qui ça? Mais qui prend tout comme là, l'a volatilisé lui avec un million international comme national. Professeur, professeur, en seconde s'il vous plaît. Oui. Pas beauté émission oui, oui. Ça, sauf que nous pas dit Mickey seulement parce que nous qu'a dit qu'il y a 10 milliards de dollars et ça aurait les COP 12 janvier, monsieur Bill Clinton yo gagoté ensemble au-delà question 4 milliards. Nous qu'a parlé tout de ensemble de COP l'état haïtien, nous pourquoi jamais nous pas jamais déterminé. Et donc oui, Mickey là, yon ces éléments mais nous pas ta dit c'est lui-même seul. C'est une remarque qui a d'importance. Parce qu'un pile COP dépasse 20 milliards de dollars gaspillés. Et Haïti n'a pas bénéficié de l'hôpital. De toute façon, on continue à fouiller pour nous qui est le monde international là. En termes de apport, qui apport ou pensez Haïti bénéficier ou du moins équipe. Ok. Désolé, je ne suis pas capable de parler d'apport international réellement. Oui, il faut que vous me donniez une idée. Parce que je vais montrer qui ça qui peut le passer. Okay? D'abord, parce que depuis longtemps, international a pratiqué, depuis 2010, à cause de l'earthquake et conséquences, je ne suis pas d'eau du tout. Oui, oui, nous là. On va parler. Non, okay. C'est au niveau YouTube. Ok, donc c'est un décalage. Décalage. Okay. Depuis 2010, monsieur, sous pression de Régis Debré, il dit qu'on va transformer Haïti en pupille de la communauté internationale. C'est-à-dire, un petit monde petit qui perd du maman avec papa, ou bien qui perd du nana, yo, et si pour l'État aider. Et si par exemple, on travaille dans l'État ou mourir, eh ben, l'État va l'aider petit tout. C'est ça, où est l'on pupille. Eh bien, ils ont dit qu'Haïti sera la pupille de la communauté internationale, donc ils ont besoin d'un tuteur. Donc, il faut une tutelle. Donc, bon série de pays qui étaient aidés à Haïti, soi-disant, ok, mais qui étaient là surtout pour détourner fonds que international l'un était bas à Haïti. Ok, Haïti a reçu des milliards de dollars, côté des milliards de dollars, ça est au passé, après, nous sommes en 2021, je vais faire quoi, premier ministre, m'a descendu en 2011. Donc, c'est pas très sérieux, mais quand même, ils n'ont pas donné à Haïti les fonds qui étaient prévus pour Haïti. Donc, ils ont dilapidé les fonds, yo, d'une part, mais ils ont volé aucun patin en comblant. Une des raisons de ce détournement de fonds international, c'est les États-Unis. Parce que c'est pas parce que vous avez des tunnels. C'est un bagage. Si l'Amérique était pas là avec nous, francs, pas t'as de problème là, ça. D'où vous dis ça? C'est le mode de franchise. Ok? Qui problème l'Amérique était gain? L'Igéen, l'Idoué comme au niveau international. Qui premier monde qui t'a d'accord avec lui? C'est Haïti qui t'est doué tout. Ok? Donc, ou doué comme au niveau international, ou pas avlé que gon fuite de dollars. Et puis, donc, ou nommé deux présidents pour venir kidnapper dollars avant que le rive, ok, pour que Haïti pas dépenser dollars américains, et Femi qui déclarait que le fonds pledge avec que l'autre pays étranger, yo, pral ben nous, de sorte que pays étranger qui tendait son pledge, donc yo dit pas bay Miki 5 comme encore, puisque Miki dit yo, qu'un des coblans, l'homme a besoin de ma vie de mando. C'est ça, ça veut dire. Donc, on connaît que Miki pas pral mandé, au contraire, monsieur pral pousser Miki, al Venezuela a cherché comme pour que yo même yo pas remettre comme ça. Bon, donc ouais, toute magouille internationale qui passait autour de problèmes.
Mais Américain est capable de dire nous, monsieur, si tu as sous table, là, mais problème, moi, tu as pensé de ça, comment on a réglé, c'est frère que nous y est, habitué goûter ensemble. Maintenant, c'est pas ça qui est passé. Ensuite de ça, nous vivons une situation côté que toute presse est pour remettre lui. Or, au fin de voir les cobles, c'est vrai, en ce qui concerne l'argent pétro-caribe, ok, ou faire des contrats abominables, ou pas exécuter aucun contrat. Ok, quelques contrats qu'on pouvait début d'exécution, c'est pas bagaille. C'est important. Et puis voilà que maintenant, ou bien ou pas l'obliger à le remettre lui. Mais pour qui ça, il faut retourner sur l'histoire de Petro-Caribe, vle ou pas vle, parce que c'est pour nous remettre comme là. Oui. Donc on peut l'obliger qu'on y est, refaire un audit, pas audit soi-disant audit coup de compte là. Ça, c'est pas un audit lié. Ok, audit son audit bagaille comme elle est de fraude, menti. Ok, c'est pas comme ça qu'on fait audit de fraude. D'abord, un, c'est parce qu'on fait fraude qui fait qu'on fait audit l'agence. Mais c'est qui ça? Et on m'a dit un paquet de cob pour soi-disant pour recruter des experts, mettre le monde étranger, on prend un rapport qui sortit du Parlement, 3-4 rapports, c'est le Parlement qui t'est fait, on vient ajouter un chapitre là, Dani, ok, pour avoir l'impression qu'on fait un travail. Ok? Et j'en ai la certitude puisque l'ancien directeur de la purement des comptes de la Cour des comptes me l'a confirmé. Donc, qu'on y a là, c'est vraiment de l'abomination. La désolation de l'abomination que diraient les Français. OK? Qu'on y a là, je ne vais pas l'obliger de passer probablement pour un abomination pour un plat de tête et pour chien qui parle venir pour dire on va vérifier Petro-Caribe, on va le platit tête monsieur comme le platit tête Jojo, ok, donc nous ne pouvons qu'on est, comment on va le passer, mais néanmoins, ok, Jojo baille et font aucun travail dans ce sens-là, on va parler pour président tous ceux qui ont utilisé les fonds de l'État de façon indue, ok, il m'a dit que réviser tout contrat, etc. Mais côté Vlevini, dans bagarre contre ça, parce que une série de contrats pas fait, ou du moins une série de contrats, par contre si au fait, si on était approuvé par la Cour des comptes, parce que mon principe c'est l'approbation par la Cour des comptes des contrats miniers, ce qui est absolument inacceptable. Ok, la Cour des comptes n'a pas exercé de révision des contrats. Ok, c'est un contrôle a priori. Elle doit être exercée par l'inspection de finances. Sinon, parce que nous allons juger après. Si nous n'avons pas autorisation, c'est volontaire voler. Alors qu'on y a là, comment on peut faire dire que c'est volontaire voler? Yeah, c'est le monde qui t'a pas autorisation, c'est lui-même qui va le juger. Donc, c'est moi qui t'a pas autorisation, donc soit dit là. Ok, c'est ça, même attaqué, blocage Haïti. Oui, élément de blocage. Donc, mais pour qui ça? Oui. Mais pendant que nous avons fait gang, hein, pendant que nous avons détourné l'attention tout le monde, gagnant a autorisé une série de travail faits. Pillage des de mines d'Haïti. Ah oui. C'est... Désolé, ce n'est pas moi qui dis. Oui. C'est un sociologue qui aurait les Canadiens, qui aurait les Frédéric Boiron, qui t'a dénoncé bagaille ça. Il dit que pendant que tout monsieur gagnant a opéré, son véritable pillage des mines d'Haïti. Puisque Haïti toujours pral dit, oh, la terre appartient aux Haïtiens, donc par conséquent, ceci, cela. On me dit, c'est la dernière fois, me dit nous, c'est une raison qui fait qu'on a besoin d'annexer Haïti, il y a besoin que Haïti s'en suspende. Pour Haïti a dit que la terre leur appartient et que c'est eux-mêmes seuls qui doivent exploiter Haïti. Il y a besoin, bien, il y a besoin qu'ils contrôlent le monde. Vous comprenez, oui? Vous comprenez oui, que ça Haïti. Accordez-moi une seconde, s'il vous plaît. Le temps de rappeler à fin d'émission, ça, Makati Douya te font émission que lui-même, lui te rappelé nous. Non, du côté de Kwade Bouke, côté, moun yo pas de cas sorti, trouble t'a créé et te gagné 4 machines, Nations Unies, il te identifié qui t'a contribué dans la question pour l'or, pour ceci, c'est là. De toute façon, ou mettre continuer, Dr. Bouchou. Thank you, merci. Et bien, dans la zone, ça a tout. OK, l'exploitation du calcium, OK, de carbonate de calcium, OK, par des, non pas par des étrangers,
Alors, ça importe un pire. M. Boiron, Frédéric Boiron, t'es cité au moins trois grandes firmes qui ont pillé nous. C'est la firme Bamba Nounoyo, Against Money Hall, Magis Corporation. Magis Corporation, on y même, je dis que au niveau international, Magis dit qu'on a tellement pris Haïti bien, je dis que Haïti sont vraiment un exemple. C'est le plus beau fleuron de business. Yo. Ok. Et puis, il y a CBS qui a exploité mine l'oyo dans le nord d'Haïti. Maintenant, trois grandes firmes, ça, yo, c'est eux qui suivant l'économie, ça, qui a pillé. Mais il y a l'autre qui a pillé tout. La Chine a pillé, non. Ok. Les États-Unis aussi a pillé nous directement le carbonate de calcium, par exemple. Ok. Et c'est après tout terrain porté aux États-Unis. Il prend tout terrain pour te la Chine. OK? L'homme parlait avec dirigeant compagnie ça, dit monsieur c'est soit en sérieux nous pas à l'époque de la Reynolds compagnie, côté que tu as prend tout bauxite non, parti avec lui. Dit c'est pour nous ta négocier. Je dis oui, mais bagage ça coûte cher. L'on conseille de banque qui a payé des volets, fait bagage qui pas prêter business comme moi comprendre les gars. OK, il pas rien le choix si on veut développer business. Yo. Mais il y a un autre défaut là. Système yon, mais c'est pas le moment de le dire, c'est on l'autre occasion s'il n'a pas examiné les structures minières. Mm-hmm. Mais Benvini, m'a besoin de montrer que profitant de notre situation, eh bien, la Chine en profite. Alors, il y a un bon monde qui pour la Chine, hein? Et puis il y a un autre qui dit ni pour la Russie. La Russie pour commettre mal, mais l'autre le venir, c'est même pas le faire. OK? Et c'est ça le fait en Afrique. Donc, bah, pour qu'ils ont pas fait licite. Donc, ce qui fait que, nous-mêmes, nous parlons peut-être non aplati parce que nous parlons trop de bagaille négro. Mais c'est pas moi qui parle, on dit, bah, référence, là, c'est un sociologue et canadien qui m'a une information, ça. Donc, l'héritage, nous n'avons pas qu'un héritage, blocage de nos fêtes, ouais, oh. D'abord, un, au niveau des finances publiques, pas vraiment, on gagne une gestion scientifique des finances publiques. Deuxièmement, au niveau de la planification, pas de COVID sous ça, mais ma pour profiter vini. Ok, je suis un expert en programmation du développement de la Sorbonne, donc permettez-moi de dire, ça me connaît, je ne vais pas parler de bagailles que je ne connais. Ok, on t'a dit, économiste, ça a dit, même spécialisé dans notre bagaille. Je t'ai dit, non, plus étudiants spécialisés dans différents domaines, plus ils sont bons pour payer. Ok, mais expert comptable, tout. OK, diplôme haïtien. Donc ce qui veut dire que c'est pour nous étudier. Maintenant, et c'est pas pour moi inventer tête, mais c'est simplement pour me dire opinion de Balbaï n'est pas aussi arbitraire. OK, il est basé sur des trucs scientifiques. Et ben pour pouvoir faire un plan, c'est pas une question de faire quoi DLP dit, faut réunion tout le monde, ça va que ça va mettre là. Ça c'est tout le monde c'est d'eau, il s'agit pas de développement planifié. OK, ça c'est du bullshit. OK, politique socio-économique. Moun ki pa konnen après la donne. Et mais étonné moi docteur Lange tombé la donne. Mais bon, parfois il dit aussi des choses très sensées. Mais parfois okay, tout ça il a profité du même coup ça docteur Lange. Tout ce que les gens. Maintenant le pour qui ça une raison vient sous ça tout, c'est parce que pendant que le ministère des finances OK, ou tout à l'heure, t'es dit, pas utiliser pour personnalité, pas, moi, pensez quand même, son expérience liée de l'État. De toute façon. OK, m'obligez de dire. Mm-hmm. OK, ministère des Finances, c'est un problème avec le ministère de la Planification. Monsieur Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International, les représentants de la Banque Mondiale, ils ont un problème avec monsieur et ministère des Finances, là, et monsieur Plan, ils ont refusé d'étudier les ressources d'Haïti. Pour qui ça? Parce qu'il y a fait des ressources d'Haïti en dehors d'Haïti. OK? C'est l'ONU qui a fait des rapports de 2010 pour dire que Haïti gagne l'or, gagne nickel, gagne diamant, gagne ceci, gagne cuivre, gagne marbre, gagne ceci, et puis pas du tout, non. Surtout le papalo de ressources stratégiques. Il pas du non plus que tu es suspend l'exploitation et canne à sucre, non. Parce que la canne à sucre, là, on produit les murmurants, on va être comme ça. Et que utiliser pour aller dans la lune. OK? Non, on n'est pas l'eau de ça, mais la vidéo, nous avons une bonne barrière qu'on n'a pas même exploité. Mais, pas gain étude des ressources
de trucs. Mais il y a des ressources qui font. Pas oublier, il y a des études qui font, qui montraient que Haïti n'est pas un pays agricole. Haïti est véritablement un pays minier. Ok, d'accord avec Allemand, on leur dit Haïti n'est pas un pays agricole. Parce que pour être un pays agricole, il faut avoir d'immenses étendues de terre. Parce que le principe économique de l'agriculture, c'est l'immensité des terres. Ok, et c'est-à-dire la loi de la rente différentielle sur l'étendue. Alors, on va rentrer là, oui. Et complications économiques avec nous. Ok, mais cependant, il y a des lois économiques. Ok, qui définissent ce qu'est un pays vraiment agricole. Qui est fondé sur d'immenses propriétés agricoles. Maintenant, concernant les mines ont été étudiées. Ok, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, et notamment par des personnes qui sont vraiment qualifiées. Ok, celui qui m'en parlait, c'est pas n'importe qui monde. C'est Michel Tabralvin, candidat à la présidence. C'est pas celui qui t'a remplacé Aristide, parce que c'était famille Aristide. Monsieur Dimré, en tant que ministre des Mines, que. Oui. Haïti est un pays minier. Je ne sais pas n'importe qui ministre des Mines, il est sorti de l'école des Mines en France. Et le monde qui conserve l'école des Mines en France. Ce sont des cerveaux. OK? Et monsieur, le palais avec science. L'on a dit monsieur. Donc, monsieur, t'as parlé de bagaille ça, et monsieur, t'as même demandé, Sylvine, président, Sylvine, premier ministre. Dit bon, ah ouais. Bon, cela dit, c'est pas, mais ce sont pas, ça peut partie de mes ambitions, à mon âge. Mais, moi, il y a mon à mon âge qui sont quand même premier ministre. Mais yeah. Quand même, cela dit, pour nous retourner sur le Sanabdien, il y a une étude souhaitée par notamment le docteur Large, ouais, quoi, il a parlé de ça. Ok, il faut une étude sur les mines en Haïti et des mines importantes. Ok, le docteur Large parle même de $8 milliards, les réserves en or d'Haïti, c'est une des plus grandes réserves du monde, et ainsi que le pétrole. Ok, c'est une des plus grandes Haïti, ouais, c'est bien qu'Américain n'a pas intéressé que la Russie, ok, vienne mettre pied dans la bagaille. Donc, ils tout formé une petite équipe, ou dit, par exemple, on 4 mètres pied, c'est l'équipe ça seulement qui vous la donne. Donc, c'est le Congo. Donc, maintenant, pas comprendre que, les gars, mais, le Congo, là, on sort de monsieur chinois. Le Taïwan n'est pas même connu que la Chine communiste a pillé ou est-ce que ça y est? Enfin, d'où dire ça, c'est pas de connaître. Les paroles que nous devons connaître. Et puis donc, ce qui fait que... Hein, oui. Ils ont dit... Dans quel terme on dit la Chine communiste a pillé sous sol haïtien? Parce qu'ils ont pris toute terre à la veille. C'est pas que les communistes qui étaient chinois, ils ont dit qu'ils ne sont pas capables d'aider nous monter des usines de transformation. Ce n'est pas possible. OK? Ils ont même mentalité d'aide, etc., soi-disant, au développement, etc. Donc... mais vraiment condamné. Si il y a un monde pour me condamner, je ne peux pas condamner Américain dans ça. Américain, c'est normal, ou bon faiblesse, ou pas, l'utiliser faiblesse, ou puis c'est tout. Ok, c'est comme ça, le système, il y a. Mais, quant à la Chine, non. Ok, on prétend qu'au social, qu'au ceci, qu'au cela, on avait des mondes, et puis patati, et puis qui sont vite fait, ou vite fait, même, bagarre, ça, et même pire. Bon, on a continué. Et pour nous dire, pour nous continuer sur la même lancée, pour nous dire que nous avons essayé de facteurs de blocage, pendant que gang ça a opéré, pendant qu'il a fait ceci, a fait cela, pendant ce temps-là, l'autre a pillé, etc. Donc, on pensait bien côté nous praler. Côté nous praler. OK? D'où idée par moi. On parle de qui idée moi, donc on va répondre. Qui idée par moi? Qui ça? Non, comme valeur ajoutée. Il n'est pas moi, nous avons commencé à parler de lui. C'est pour nous faire une émission sur lui. Ok, on connaît, nous avons un problème de financement du développement. Nous avons un programme central, etc. Qui ça nous prévoit dans le programme central? Là. Comment nous pouvons faire aménagement du territoire? Et puis notamment au niveau de la planification nationale, l'étude des ressources, etc. Professeur. Donc, ce qui fait que pape est rentré. Dans toute la combinaison, ça y est là, pour une prochaine okay, qui serait relativement long.
Mm-hmm. OK, seul bagage capable dit. Seul bagage capable dit. Lorsque Mickey montait au pouvoir, monsieur chinois, ambassade de Chine communiste, et invité monsieur l'ambassade de à Washington. Il y a une sorte de membre de famille par alliance qui était mené Mickey. C'est lui qui va le raconter. Il dit que M. Chinois a été offert à Haïti 54 milliards de dollars. Si il était accepté de rompre relation diplomatique avec Taïwan. Donc on est bagaille. Ça, son principe pour les États-Unis. OK, l'indépendance de Taïwan, OK, l'autodétermination de Taïwan, le peuple a le droit de décider par lui-même, de Taïwan sont îles autonomes. OK, ça je l'ai fait pour pays, il l'a fait pour pays. Il dit que l'île est indépendant, donc le principe de l'autodétermination des peuples. Donc ça m'a foutu contester. Même si Haïti, mais la Chine pendant ce temps-là a préclamé, a crié à tort, il dit que c'est pour remettre les Taïwan. Mais Taïwan, OK, la Chine m'a dit pour yo rompre relation avec Taïwan. Et puis là bagaille ça et puis même t'as parlé monsieur de programme, même j'ai pas même intéressé dans programme moi. Et bon là monsieur après bagaille chinois monsieur relé moi. Et puis monsieur dit vous t'as parlé dans programme etc. Est-ce que t'as capable bon petite explication de programme moi? Je me dis, mon chou, quand ça passe là, pas tellement guetant, même qu'à bobo 25 minutes. Et puis, je prends 25 minutes là, et puis, je fais démonstration. Je dis, oula, m'attendez, je dis, moi, là, m'attendez. Je dis, monsieur, je finis l'explication, hein. Ils sont passés. Monsieur dit, mon cher, pour te dire la vérité, son programme consa chinois, t'a accepté financer avec 54 milliards de dollars. Donc, ouais, que son bagage qui est sérieux. Que c'est pas seulement eux-mêmes qui t'ont considéré c'est ton programme sérieux. Nous t'allons faire un meeting dans Washington, côté que nous t'ai présenté programme là, nous t'ai félicité nous pour programme ça. Nous t'ai les seuls à être félicités, OK? Organisé par les organisateurs, c'était une convention internationale de la diaspora. OK, une réunion de toute organisation de diaspora yo qui t'est venu présenter qui ça t'est venu faire pour Haïti. Mais c'est programme pas noir que tout le monde t'a apprécié. Et même yo m'a dit me déposer li pour chef d'université l'autre bord, hein. M'a dit me déposer programme là et parce que bah ça trop intéressant pour que rien. Professeur. Donc pas considérer que et d'ailleurs il y a des je rappelle que Mickey va utiliser le programme pour aller à l'ONU. Et que l'ONU va dire, je vais pas s'en discuter. Son question de pledge, OK? De même tout, où est que le premier ministre de Mickey, OK? Et d'après sa maman, qui a raconté à des amis à moi, que monsieur t'a utilisé programme à certains égards, dans certaines descriptions de travail pour faire. Et puis, où gagnait même professeur d'université, l'Inagé, qui était qu'on utilisait programme rien pour vous comprendre que vous allez faire petite université ou quoi, que et c'est vous-même qui fait les petites universités au Vinoué, moi ici, côté MTIA, dans le pays côté MIEO, et puis c'est comme ça qu'ils apprennent que et c'est moi qui ai découvert que c'est moi qui t'ai en fait rédigé le programme. Là. Mais même pas, je ne mettais aucune interdiction d'utilisation de mon programme. C'est un programme pour le développement du pays. Professeur mon réussi faire. Si vous réussissez à utiliser le programme là pour développer le pays, hein, tant mieux. Professeur okay, Bouchou, professeur Bouchou. Qui a fait quoi et Jean-Jacques qui peut le bloquer Aristide lorsque Jean-Jacques a plus ou moins même et m'a fini qui t'aime fini et puis m'a fini net. Nous n'entendons pour nous. Qui est même point de vue. Nous n'entendons okay, que comme ça. Mais il était bloqué Aristide qui devait qui remet le programme là et qui devait appliquer le programme là. D'ailleurs, mais même rédiger le programme là. À cause d'Aristide. Mais comme c'est pas le cas, nous pas parler de ça aujourd'hui, hein. OK, Nagata, on va parler de son l'autre.
De toute façon, professeur, nous sommes contents avec vous et nous arrivons dans un moment pour nous prendre une deuxième pause là. Mais par rapport à la richesse pensée, nous sentons que vous avez des choses de quoi dire encore. À côté de midi 10, nous prenons pour 10 minutes le temps pour nous conclure l'émission. Dans nos fans, l'émission a été réveillée encore une fois content ou avec nous. Nous avons retrouvé où? One love. One love, professeur.
C'est comme ça nous pral dit mantra ça. Qui c'est mantra rassemblement. Mantra unité ça que Bookman le lité connaît l'ambia, lité kon pour qui sale t'a fait. C'est pour ça. M'a invité nous toutes, tout haïtien à la one body pour nous dire prier ça, mantra ça chaque midi, chaque minuit pour nous dire à tout cœur nous. Bon Dieu qui fait soleil, qui éclaire nous en haut, qui soulève la mer, qui fait gronder l'oreille. Bon Dieu, zot tande, caché dans yon nuage. Là, li gade nou. Li wè tout sable en fait. Bon Dieu blanc mande crime et pas nou vle bien fait. Mais Dieu là qui si bon, ordonne nou vengeance. Li va guider bras nou. Là-bas nou assistance. Jete potre Dieu blanc qui soif glonanje. Koute voix liberté qui parle nan kè nou. Ayi bobo, ayi bobo, ayi bobo. C'est comme ça nous pral di mantra ça qui c'est mantra rassemblement. Mantra unité ça que Bookman le lité connaît l'ambia. L'ité kon pour qui sale t'a fait. C'est pour ça. M'a invité nous toutes, tout haïtien à la one body, pour nous dire prier ça, mantra ça, chaque midi, chaque minuit, pour nous dire à tout cœur nous. Bon Dieu qui fait soleil. Qui éclaire nous en haut, qui soulève la mer, qui fait gronder l'oreille. Bon Dieu, zot tande, caché dans yon nuage. Là, li gade nous. Li wè tout sable en fait. Bon Dieu blanc mande crime et pas nous vle bien fait. Mais Dieu là qui si bon, ordonne nous vengeance. Li va guider bras nous. Là-bas nous assistance. Jete potre Dieu blanc qui soif glonanje. Koute voix liberté qui parle nan kè nou. Ayi bobo, ayi bobo, ayi bobo. C'est comme ça nous pral di mantra ça. Qui c'est mantra rassemblement. Mantra unité ça que Bookman le lité connaît l'ambia, lité kon pour qui sale t'a fait. C'est pour ça. M'a invité nous toutes, tout haïtien à la one body pour nous dire prier ça, mantra ça chaque midi. Chaque minuit, pour nous dire à tout cœur nous. Bon Dieu qui fait soleil, qui éclaire nous en haut, qui soulève la mer, qui fait gronder l'oreille. Bon Dieu, zot tande, caché dans yon nuage. Là, li gade nous. Li wè tout sable en fait. Bon Dieu blanc mande crime et pas nous vle bien fait. Mais Dieu là qui si bon ordonne nous vengeance. Li va guider bras nous. Là-bas nous assistance. Jete potre Dieu blanc qui soif glonanje. Koute voix liberté qui parle nan kè nou. Ayi bobo, ayi bobo, ayi bobo.
C'est comme ça nous pral dit mantra ça. Qui c'est mantra rassemblement. Mantra unité ça que Bookman l'élite connaît l'ambia, l'été kon pour qui sale ta fèl. C'est pour ça. M'a invité nous toutes, tout haïtien à la one body pour nous dire prier ça, mantra ça chaque midi, chaque minuit pour nous dire li à tout que nous. Bon Dieu qui fait soleil, qui éclaire nous en haut, qui soulève la mer, qui fait gronder l'oreille. Bon Dieu, zot tande, caché dans yon nuage. Là, li gade nou. Li wè tout sable en fait. Bon Dieu blanc mande crime et pas nou vle bien fait. Mais Dieu là qui si bon, ordonne nou vengeance. Li va guider bras nous. Là-bas nous assistance. J'étais portrait Dieu blanc qui soif de l'onanger. Coutez voix liberté qui parle dans cœur nous. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. C'est comme ça nous pral di mantra ça qui c'est mantra rassemblement. Mantra unité ça que Bookman l'élite connaît l'ambia l'été kon pour qui sale ta fèl. C'est pour ça m'a invité nous toutes, tout haïtien à la one body pour nous dire prier ça, mantra ça chaque midi, chaque minuit pour nous dire li à tout que nous. Bon Dieu qui fait soleil, qui éclaire nous en haut, qui soulève la mer, qui fait gronder l'oreille. Bon Dieu, zot tande. Dans le même sentiment pour nous alimenter chaud Paul, émission Paul, émission de préférence. Là. Du devoir, faut que nous connaissions en conviction. Émission sa particularité li d'abord vle que l'homme haïtien retrouve l rétabli l. De toute façon nous non moment pour nous pas jamais oublier mantra qui est important pour nous pas jamais oublier dans la vie. Poule pas kana, kana pas poule, yo différencio yo sacré et c'est yo qui fait beauté la vie en même. Nous devons toujours comprendre, nous-mêmes comme nèg d'Afrique, nous gagnons une responsabilité et c'est nous-mêmes, encore une fois, qui devons renaître la vie de ces cendres. C'est ça fait émission ça, l'importance pour moi. Même j'ai l'importance pour nous. Sincèrement, n'a pas continué avec Dr Bouchou dans ligne que le TIA dans 10 minutes, le temps pour le capable dire des mots de conclusion ou d'importance pour aujourd'hui, pour cadeau d'année. De toute façon, est-ce que Dr Bouchou déjà avec nous? Dr Bouchou, comment nous y est? Nous retrouvons. Bon, moi là. Vous avez 10 minutes. Vous avez dit ici, on a boulé. Vous avez dit. Pas boulé parce que son expression négative. Ok, bon. Et monsieur de Ronce, monsieur de Ronville, ok, regarde, sous Top Chat là, commentaire dans série de monde, et notamment d'Anthony Pierre, ok, qui lui-même qui a parlé de l'époque de Duvalier. Malheureusement, ça l'a dit de l'époque de Duvalier, oh, c'est vraiment ça que pas clair. Oh. Il dit à l'époque de Duvalier, la parité de la goutte et du dollar était stable. C'est pas de faute du Duvalier. C'est parce qu'aux États-Unis, ok, la parité était stable. Donc, une défaite parité, ça, justement, elle était commencée par Jean-Claude Problème.
Maintenant, ça pour t'a parlé qui te Duvalier t'a fait de bien, le papa allé, c'est pas Jean-Claude qui t'a fait de bien. Duvalier père qui t'a fait rien de bien. Ok, au contraire, même c'est voler des volets comme que Kennedy t'a mis. Hein? Et si aujourd'hui Haïti, ton pays développé, c'est à cause de Duvalier père. Parce que Kennedy t'a décidé que c'est Haïti que t'a développé comme pays industriel en premier dans le continent américain. Et lui-même, personnellement, t'a investi, d'où profiter parler de ça, au niveau de l'expérience de la sous-traitance internationale, auquel t'a investi dans deux usines personnelles, pop-cop famille par en Haïti, en électronique. Et là, il rend ni compte que mes deux haïtiennes, t'es très qualifié, très, très doué, et même il dit non, mais c'est pour aller plus loin, au lieu de nous être en sous-traitance de composants électroniques, nous parlons plus loin, nous parlons faut arriver sur assemblage, mais pour ou passer à phase supérieure, ça, c'est pour mounio qu'on lit, qu'on écrit. L'autre est simplement rassemblé, c'est mettre une pièce avec l'autre, pas de problème. Mais lorsqu'on y a pas une fin assemblage, c'est pour qu'on calcule pour capable faire son gain pour faire. Donc, il était voyé comme by Duvalier pour Duvalier te faire formation mounio. Kennedy était créé pour financer développement industriel, ça. Et le USAID. Okay, c'est l'esprit ça que t'a créé USAID pour aider Haïti à renforcer tête li sur le plan du développement agricole et industriel. Sujet de débat. Et même ça qui parle passé, Duvalier va le voler comme ça. Professeur. L'autre Duvalier volait comme blanc Kennedy de son vivant. Bloqué et fermé USAID, transféré siège USAID en République Dominicaine. Et probablement vocation. Ça qui parle passé. Réellement, qui peut expliquer pour qui ça, Haïti peut venir accuser un retard par rapport à la Dominicaine. Le deuxième point, c'est que, côté Anthony Pierre, t'as fait pour t'as intervenu, ok, et là, ça me tape d'accord avec lui 100%, c'est que Jean-Claude, par contre, t'es venu avec un développement industriel de sous-traitance qui était relativement acceptable. Et là, ça, c'est un seul parc de développement industriel que l'on a gagné. Et le fait que Haïti, grâce à Jean-Claude, nous capable de dire ça, c'est pas lui qui t'a fait, mais bon, ouais. C'est sous régime lien, ok, qui t'a toujours québé M. Makoutio. Mais c'est sous régime lien que vous le fond, premier parc de développement industriel, après parc Kennedy qui t'a fermé. Monsieur Balfon parle de développement industriel et rien que pas ça, qui pas un colossal parc, qui pas ton grand parc, qui pas de grand pile et investisseur là-dedans. Eh bien, il était déjà qualifié l'OCDE, l'Organisation de développement international, pour pays blanc, qui a fait des calculs économiques pour pays blanc. Eh bien, l'OCDE, ok, t'es déclaré Dimitri, quoi, monsieur, c'était qui t'a fait rapport ça, le rapport de Georges Dimitri, parce que c'est Dimitri qui ça, qu'il avait fait un rapport disant que Haïti était désormais classé parmi les nouveaux pays industriels. Rien qu'avec une seule zone de sous-traitance. À l'heure actuelle, la République dominicaine est à peu près, d'après ça me t'étendit, environ 50 épiques de parcs industriels. Gagné qui des parcs industriels destinés au marché local, mais grand pile parcs industriels de que les des zones franches au niveau international. Haïti lui-même nous était toujours son seul parc industriel. C'est ben là il y a d'après le fond parc Caracol. Industriel dans le nord à Caracol, Baron Saltoune. Bata des moun vin investi la dan, mais c'est yon la dayo, et sa Port-au-Prince dans son deuxième, et gen le parc de mon cher ami qui est mort, malheureusement, le père Meuse. Alors, le père Meuse n'est pas de zami vraiment, mais des fois on rencontre avec monsieur, son nek que m'apprécie à mort, ok, c'est un des rares grands industriels du pays, bah, pas l'eau de petit, yo. Ni ti frites, ni autre. Fais sorti particularité qui fait peine. Mais ma palo de papa, ok, c'est yon nèg qui t'a aidé tout monsieur industriel, t'as des haïtiens, yo, et mulatio,
c'est lui qui t'a aidé à créer propre entreprise, yo, à tout l'autre nègre, bidjo compris. Donc, ce qui fait que PAMEuse t'a aidé le Canada à monter une banque, il t'a aidé la France tout à monter une banque de Paris 1. Et l'homme dit PAMEuse, dit PAMEuse, il dit combien de comptes nègre ça a aujourd'hui prêté? Même si tu prêtes ton corps vraiment pour l'office, pour ménager Louis, mais on va faire comme ça. Et puis, mais lui-même, il m'a jamais des gros corps vraiment. Il fait avec propre corps, pas tout ça l'a fait. Il dit, mais ça, je l'ai fait. Et puis, il m'a dit, un projet qui va coûter au moins $1 milliard. Il dit, mais quand on va jouer comme ça? Monsieur dit comme ça. Le banquier, c'est l'ité de monter, n'exagère pas, parler, la prendre. Il dit, mais est-ce qu'on met quoi de prêter comme ça déjà? Il dit, bon, soit c'est vrai, oui. Et que papa, il pas qu'on prête, non, il pas qu'on prête, non plus. On va comme ça. Et puis, il dit, quand on prend le cob là, je dis, bon, il prend le Taïwan pour jouer le cob là. Il dit, ah, permeuse, bien content, mec, est-ce qu'on pense que Taïwan prend le bon un cob pour venir investir? Sans que pas aucune structure de développement, de banque de développement, de banque d'affaires, qui t'apprend à le permettre, monsieur, j'ai confiance, pour une banque comme ça. Je dis, Bouchou, vous avez raison. Vous avez raison. Monsieur dit, ça. Dit, oui, c'est une raison qui fait me rentrer en Haïti. C'était pour moi, si t'as une possibilité pour nous faire. On sort de banque de développement. Monsieur dit, bouche-moi pour ça que passe et vignale. Bouche-moi. Monsieur sorti dans la cour. Non, non, c'est important, ça m'a dit. Surtout pour vous-même, des gens qui sont intéressés à la RSA. On va aller. Et je sorti dans la cour avec moi pour montrer nous que c'est ton grand homme. Et moi, si ton l'autre deuxième grand homme, tout. OK, mais petit, tu pas même. Descendant, pas tout à fait les mêmes. Précise. Maintenant, et, monsieur dit, que ça bouche-moi pour intéressant. Hein? Il était en face usine. Bon côté il fait parc et commercial là. Je dis ouais terrain ça on va venir construire banque de développement là. Malheureusement père Meuse mouri et puis projet ça va jamais suivre. De même tout l'intention de faire un port qui était capable de concurrencer pour Jamaïcain pour des milliards de dollars d'année mensuelle etc. Donc monsieur malheureusement professeur Bouchou lui pas fait. Professeur... Mon deuxième nègre que m'a aimé parler, excuse-moi de t'interrompre. Vas-y. Mais mon deuxième nègre pour me finir, puis m'a bon la parole. Mon deuxième nègre important dans l'histoire moderne d'Haïti, c'était Père Vob. Ok? M'a cité Noël, le mourir. Ok? Père Vob, pas songer si m'a été rencontré avant le mourir, plutôt rencontrer maman. Mais Père Vob, moi, je écrit, lui. Que t'es écrit, c'est un nègre qui écrit justement sous à l'époque que Haïti t'est créé premier la gourde comme première monnaie fiduciaire à circuler normalement en Haïti. Monsieur vient avec une hypothèse et qui était une thèse en quelque sorte et qui disait que et comment et Boyer t'est fait calculer et unité monétaire là. Et même était basé sur le marché de l'or en Espagne. OK, mais pour qui ça effectivement parce que sous pagain une unité or parce que l'or est programmé et c'est une valeur réelle, OK, que calculée sur la base de grammes poids l'or qui fait qu'on détermine tant gramme vaut tant compor. OK. Allô, ou là toujours? Oui, oh là. Mais gagner en okay. Question. Tant gramme vaut tant cob, eh bien, et c'est là ça qu'on est capable de déterminer, mais qui valeur goudou. Il était basé sous ça pour le faire circuler goudou. Là. S'il pas de basé sous ça vraiment, il était impossible pour le faire circuler goudou. Là. Monsieur Français, vous qui t'avez étudié, car je se dis, mais comment monsieur fait? Il n'y a pas comprendre. Eh bien, vérité, ok, c'est Père Vob qui t'a pris le bail. C'est qui vérifie. Mais c'est l'ingénieur Javon. Maintenant, donc moi très reconnaissant à l'ingénieur Javon, très reconnaissant tout vis-à-vis de Père Meuse, qui font un gros travail pour le développement d'Haïti. Maintenant, petit chose peut-être, ou bien son famille, pas fin trop, yes. Ok, il y a un radar qui vraiment pas tout à fait exception.
Donc, même tu voulais indiquer que de M. Sayo, c'est pour nous retirer, pour montrer que ce n'est pas nécessairement tout le monde dans l'équipe malandré qui n'est pas bon. Ok? De donc, il y a des gens pour nous retirer là-dedans, il y a des familles pour nous retirer, il y a des gens de bien là-dedans, nous ne pouvons pas foutre attaquer tout en même temps, c'est pour nous bien cibler ça n'a fait. Professeur, nous ouais que Haïti, nous gagnons un gros handicap parce que Haïti nous pas jamais arrivé doter Haïti une banque de développement. Comment penser une société humaine capable de développer surtout s'il pas doté pour nous créer une société financière de développement. Ça qui passe d'après vous. Okay. Une société financière de développement va de pair avec une société fiduciaire. Pour qui ça? Dans le cas d'Haïti. Okay. Dans le cas d'Haïti, son cas spécial, toujours à répéter pour tout le monde qui veut l'étendre, mais conséquence démographique, où son j'aime d'en parler de ça, conséquence démographique là, qui dit que nous avons une population de jeunes, que jeunes de 0 à 25 ans constituent 62,7% de la population à l'époque où madame moi faisait des études sur cette population, c'est lui-même qui t'a montré un papier que j'ai fait étudier sur la démographie haïtienne. Moi, t'es retenu chiffre-là. Bon, c'est possible que, avec évolution, ou bien moins, quoi que les accroître, mais quand même, dans cette jeunesse, on calculait à peu près 45%, et puis que, c'est-à-dire près de la moitié de ces jeunes sont de moins de 5 ans. Ça veut dire qui ça? Il y a deux conséquences là-dedans. Première conséquence, sont une population extrêmement jeune. Qui pourra le mériter, qui ça? Formation pour les jeunes de 15 à 25 ans. Parce que, ou pas foutiment d'un jeune à le travail, si ou pas mal formation. C'est pas moi qui dis, depuis Dessalines, nous comptons ça. Dessalines, contrairement à Christophe, Christophe t'insistait, parce que t'es en bande blanc avec lui sur l'éducation, tandis que Dessalines, lui-même, parce que c'est son métier professionnel, c'est l'art militaire, monsieur dit, si monsieur, il n'y a pas de vingou, mais tant qu'il n'y a pas recevoir formation. Eh bien, ce qui montrait l'importance pour lui de la formation professionnelle. Eh bien, si monsieur Sayo, pour de 15 à 25 ans, pour capablement de voir le travail, c'est pour avoir une profession. Et même si on a l'école, d'abord, il prend jusqu'à 25 ans pour être capable de sortir à l'université. Non! Comment payer pour le gouverneur si on gagne pour tant pour faire l'école pour sortir et puis on a 6 mois pour finir? La 30 ans, on a toujours là. Il faut commencer par la formation professionnelle. Ça, donc, la formation professionnelle, c'est qu'est-ce qui peut payer? Pas de monde pour payer, non? C'est nous-mêmes qui cherchons un joint pour nous payer. D'où la nécessité d'une fiducie. Donc, nous sous Radio Télestom, nous en direct. Et deuxièmement, les enfants de moins de 5 ans, on va le faire avec eux. On va le quitter au niveau là, dans la Cité Soleil toujours, bien, dans la Cité. La Saline, non, c'est pour nous prendre responsabilité, nous, okay, à l'égard des jeunes. Nous, pas seulement des jeunes pour nous prendre responsabilité, nous, pour nous prendre responsabilité, nous. À l'égard des vieillards, nous venons pour prendre responsabilité de grands mounions, ok, envers de monde qui est handicapé, ok. L'autre jour, là, m'a pour le code d'esclavagisme, là. Même dans le code d'esclavagisme, là, il était dit que l'on monde vient grand monde qui était esclavagiste, là, a dit, maintenant, il était fait pour bailler deux gouttes, quoi, il était fait pour bailler un cobre, bailler un hôpital pour te care, et moun ki grand moun nan. Ou te ba ou okay, ti manje. Donc ba ça veut dire que même là encore yo te prévoit ça. Donc pas de raison pour de façon moderne nous pas prévoit pour nous financer grand moun yo, moun handicapé et tout moun sa yo et yo même yo pas productif de rien, yo pas fouti produit, pas fouti mandé ou ti moun 5 ans à la produit, c'est pas possible. D'ailleurs la loi l'interdit avant 15 ans yo pas droit travail. Donc de 0 à 15 ans c'est pour financer yo. Donc, quand on voit le jeune coblan. C'est ça, à nos fouilles. Okay, ou bien le jeune fait développement, quand on voit le jeune coblan. Donc, de là la nécessité d'un organisme de fiducie qui doit être en liaison avec cette société financière de développement.
Donc, m'pa rentrer dans détail yo parce que ça ce sont ou qu'on est en matière d'affaires, c'est toujours des secrets professionnels. OK, il faut toujours mais dans d'une manière générale, on peut dire sans société financière de développement, il n'y aura pas de développement. Qui a dit parce que banque de développement, monsieur banque de développement et Caraïbes Blancs, c'est français qui contrôlait et pas quoi que il y a payé des noms parce qu'ils sont toujours bloqués. OK, donc c'est pas sur eux pour nous compter. Il faut porter accent sur ça. Non, porter accent pour nous. Ils ont toujours bloqué. Porter accent pour nous sont toujours bloqués, hein. Ça est important pour nous. Porter accent. Accent qui t'a il est toujours bloqué nous. Hein. Bon, bagaille son blocage lié parce que le fait que ouais et banque de même société qui t'a aidé pays Caraïbes, financer pays Caraïbes, OK, il a refusé ben nous 5 com. OK, banque de développement Caraïbes là qui contrôlé par français, c'est yo qui bail comme là pour monsieur. Causer nous tout doué comme. Bon. Donc son blocage. OK, son blocage objectif. De même tout banque centrale son blocage tout ainsi que les banques. Puisque banque ça sont série de banques usurières. Comment on voulait et puis cap faire du blanchissage d'argent. OK, mais son bagage qui est évident. OK, OK, il était commencé par recyclage des fonds des ONG, ensuite au passé au recyclage pas des pétrodollars, mais j'ai pas gagné. Le fonds recyclage de drogue là, etc., de l'argent de la drogue, ce sont des banques narcotrafiquantes, ok, certaines d'entre elles, ok, pas dit tout non, c'est pour nous veiller, nous, on a parlé d'un bagage concernant Haïti, c'est pas tout le monde qui est dans le même sac là, dans le même macoute là, c'est pour nous bien garder qui ça nous mettait dans le macoute là. Donc, c'est pour nous, il y a des banques qui ont même spécialement n'ont pas d'éthique publique, OK, et bon, pas citer non parce que il a dit que c'est un problème personnel avec. Mais il y a qui pas les nous a révélé quelques comportements. Révélez pour nous quelques comportements. Révélez pour nous quelques comportements qui t'a témoigné au pas éthique publique. Bon, prenons une banque qui s'est créée récemment. Comment on voulait que banque ça a créé à partir d'une série de monde qui était le conseil qui t'a conseillé ou l'autre banque et qui prend une ami yo mettel comme vice-président banque là puis président banque ou l'autre banque et puis ensuite yo tous les deux GTO a créé propre banque pas. OK, tout ça c'est contraire à l'éthique professionnelle. OK, c'est et pas gain droit font bagarre comme ça. OK, mais c'est ça ou t'es fait. Qui mon en Haïti par vinn dit dit déjà. Pour qui ça me dit lui? Parce que j'étais responsable au niveau de l'association des économistes de la partie de déontologie. C'est moi qui ai été désigné pour moi suivre le problème d'éthique pour que monsieur association économiste. Bon, bien entendu, c'est ton j'attends pour t'écarter de la décision, mais bon, c'est notre problème. À 2 minutes, professeur. C'est grand plus le monde qui t'a magouillé là. Il y a 2 minutes le temps pour nous dire des mots de conclusion. En conclusion, OK, moi, je souhaitais que. Société Haïti réveillé continue de plus en plus à gagner mon cap vin réveiller li dans le même sens là, dans le sens développement économique et social d'Haïti. Et je souhaite qu'on continue à faire un bon travail. De toute façon, donc à bientôt. À bientôt, professeur Bouchereau. Au nom de nos fans de cette émission, nous te remercions. Nous te disons encore une fois merci et du bon travail. De toute façon, on a continué. Pour nous alimenter champ et n'a trouvé n'a cherché dans le fin fond qui ça Haïti gagne en termes d'héritage culturel pour nous capable vendre une autre Haïti et pour nous capable vendre une autre forme de pensée pour nous ta construire tête nous pour ne pas arrêter n'a garder pour nous faire comme la vie de peuple nous n'a dépendre des autres yo pas aider nous c'est nous mêmes qui doit prendre des initiatives qui propre à nous. Le temps d'en finir, dans le même cadre d'émission, dans l'élan d'émission, ça, nous estimer à, avec possibilité très grande, demain, nous avons gagné un directeur d'école
qui aussi a travaillé dans le ministère de l'Éducation nationale, la baye spécialité avec nous demain, nous pourrons causer sous question Timoun 2000. Yon langage, moi-même comme sociologue, qui pote en pile attention, en pile intérêt, que nous tous devons comprendre. Langage ça, concept Timoun 2000. De toute façon, nous retrouvons demain dans le même micro, espace Radio Télestom, télémagique, télémoment. One love, un seul amour. Le rendez-vous, c'est pour demain. 210.